Bonjour. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier de la Fabrique francilienne des sobriétés. Je vais vous partager mon écran. Et je ne peux pas le partager. Ah si, partager. Voilà, et vous me dites si vous voyez ma présentation. Oui. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la Fabrique francilienne des sobriétés est consacrée à la sobriété collaborative. Donc on se retrouve de 10h à 12h. Je vais faire une courte introduction qui permet de faire arriver tout le monde et puis de bien spécifier de quoi on va parler aujourd'hui. Donc c'est un atelier qui est organisé par l'Institut Paris Région, l'agence régionale d'urbanisme de la région Île-de-France, plus spécifiquement par le département énergie-climat qui s'appelle AREC et que j'animerai aujourd'hui. Donc, quelques infos préalables, n'oubliez pas de fermer micro et caméra pendant les présentations. Il est possible évidemment de poser des questions par écrit aux intervenants dans la conversation. Les supports seront diffusés après coup sur le site de l'AREC en replay, puisque le webinaire est enregistré. Donc les objectifs de l'atelier, c'est le 29e atelier de la Fabrique. On a déjà eu également trois conférences annuelles régionales. Donc on est toujours dans l'objectif d'imaginer ensemble une sobriété choisie, juste, collective et innovante pour l'Île-de-France. Avec aujourd'hui des questions comme comment les contraintes en matière d'espace, l'évolution des modes de vie, les nouvelles aspirations nous incitent à la sobriété collaborative, et en parallèle, comment la sobriété collaborative peut contribuer au renforcement du lien social et à la décarbonation de nos sociétés et à l'innovation. Et bien sûr, c'est un webinaire qui repose sur des retours d'expérience que vont nous proposer les intervenants et des échanges avec les participants. Donc au programme, une petite introduction avec des actus. Et ensuite, nous aurons les différentes interventions, pardon, et avec les intervenants que je vous présenterai après. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de sobriété? On commence toujours un peu nos ateliers de la même manière. L'idée, c'est de partager les définitions pour bien qu'on soit tous sur les mêmes définitions donc de la sobriété énergétique, qui est une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie et de ressources par des changements de comportement, de mode de vie, d'organisation collective, de manière volontaire et organisée, et pour assurer le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. À ne pas confondre avec l'efficacité énergétique qui vise à réduire la quantité d'énergie, mais là, au moyen de la technologie. Et on est là dans le triptyque mégawatt, évidemment, avec le troisième pilier, le développement des énergies renouvelables et locales, énergies décarbonées, principalement. Donc, on démarre de la sobriété énergétique, mais la sobriété énergétique, elle est multithématique et transversale, donc on parle des sobriétés de plus en plus. Sachant que la sobriété énergétique consiste tout d'abord à nous interroger sur nos besoins, puis à limiter, à adapter en fait nos usages à ces besoins, autrement dit les satisfaire en limitant leurs impacts. Donc l'idée, c'est qu'on va retrouver cette sobriété ou ces sobriétés dans plusieurs thématiques, plusieurs domaines de la vie, que ce soit le bâtiment, l'alimentation, les biens et services, la mobilité, l'industrie, l'agriculture. Ça s'applique vraiment, c'est une démarche qui peut s'appliquer dans tous les domaines. Les leviers de sobriété, tels qu'ils ont été définis par Négawatt, il y en a quatre. C'est la sobriété dimensionnelle, hein, adapter la taille évidemment des équipements à nos besoins. La sobriété d'usage, comment bien utiliser et réduire l'utilisation d'un appareil, d'un équipement ou d'un bâtiment pour consommer moins d'énergie. La sobriété collaborative dont on parle aujourd'hui, donc la mutualisation des biens et des services en mettant en place des organisations collectives, et puis la sobriété structurelle, qui est celle qui est de plus long terme, bien évidemment, en créant dans l'organisation de l'espace et de nos activités, les conditions d'une modération de notre consommation.
Quand on parle de sobriété collaborative, ben ça s'applique vraiment à énormément de domaines, que ce soit habiter, se déplacer ou travailler. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples. On a dans ces exemples les tiers-lieux, par exemple, les repair cafés, etc. Et on ne va pas en parler spécialement aujourd'hui, puisqu'on avait déjà eu un webinaire dans lequel on avait présenté, une collègue de l'Institut Paris Région avait déjà présenté les travaux sur le sujet en Île-de-France. Et je vous remettrai le lien pour y accéder. Et je vais tout de suite sur justement un peu d'actualité et de ressources, à savoir que Negawatt organise son université d'automne la semaine prochaine, donc c'est à Angers, et toujours temps de s'inscrire, je crois. Et ça va beaucoup parler de sobriété. À propos de sobriété, le LIFPEB Actée et Cerema organisent depuis longtemps un championnat des économies d'énergie. Et il y a un concours Cube Ville et Petite Ville qui démarre en 2025. Donc, ce sont des défis d'économie d'énergie ludiques au sein des bâtiments publics. Donc, il y a moyen encore de s'inscrire. On en a pas mal en Île-de-France. On a aussi une présentation du concours Cube Ville dans un précédent rendez-vous. On a un nouvel article sur une marche sensible sobriété qu'on a organisée à Dunkerque il n'y a pas très très longtemps, voilà, qui est un outil diagnostique qui peut être intéressant. Également le compte rendu d'un petit déjeuner organisé et ben, en septembre également sur la sobriété immobilière. Vous retrouverez aussi à disposition donc, la présentation sur les tiers-lieux. Et puis, je vous renvoie aussi à un cahier de l'Institut Paris Région, dont on va parler également aujourd'hui, qui s'appelle Aux actes citoyens. Donc, juste pour mémoire, je vous présente ici nos volets, les volets d'intervention sur la sobriété. Donc, ce sont des ateliers, des conférences, également un accompagnement expérimental des collectivités, qui était un accompagnement collectif l'année dernière, qui se poursuit en accompagnement individuel avec quelques villes. On a quelques ressources comme une plaquette, des chroniques, un carnet pratique qui sera diffusé l'année prochaine, mais pas mal de dossiers thématiques aussi à disposition sur le site AREC, donc où vous retrouvez à la fois dossiers et des ateliers en replay. L'Institut Paris Région organise également des formations sur demande. Pour suivre un petit peu ce qui se fait dans les collectivités, on a mis en place aussi une bibliothèque des plans de sobriété où on trouve les plans de sobriété des collectivités, villes, EPCI et autres, classés par département et également tout ce qui est fait au niveau de l'État par les différents ministères, toujours intéressant pour piocher des idées. On a élargi ce sujet de la sobriété énergétique à l'Europe avec un groupe de travail au sein de la FEDAREN, qui est la Fédération européenne des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, dont on fait partie. Voilà, donc exemple européen toujours intéressant à prendre. Et enfin, on développe une boîte à outils avec pas mal de choses assez différentes pour animer la sobriété dans les collectivités. Donc aujourd'hui, nous avons sept intervenants que je vais vous présenter, qui vont intervenir juste après moi. Donc Clément Théry, qui est directeur innovation et développement des grands projets chez Ogic. Cédric Tinel, qui est responsable de programme chez Cogedim Paris Métropole. Andréane Valo, qui est designeuse. David Leguide, cofondateur de Watt Park. Et aussi Anne-Claire Davy, chargée de projet Habitat et mode de vie à l'Institut Paris Région, Lucille, chargée d'études Habitat et société à l'Institut Paris Région, et Nicolas Laruelle, urbaniste à l'Institut Paris Région. Et mes trois collègues étaient au pilotage, aux manettes de ce fameux cahier aux actes citoyens. Donc, ce que je vais faire, j'arrête le partage de mon écran. Et je vais tout de suite passer la parole à nos premiers intervenants qui vont être en duo. Alors, je ne sais pas comment ils se sont organisés, mais en tout cas, ils se connaissent bien. Donc, ils vont intervenir là-bas. Donc, Clément Théry et Cédric Tinel, notamment pour un immeuble un peu emblématique qui s'appelle l'immeuble Nouget,
qui vont nous présenter, mais ainsi que d'autres choses, qui découlent en fait d'un appel à manifestation, un appel à projet de Paris qui s'appelait Réinventons Paris. Voilà, donc tout de suite, je vous laisse la parole. On voit d'ailleurs toute la présentation sur l'écran, donc c'est parfait. C'est à vous. Cédric, je crois qu'on ne t'entend pas parce que tu n'as pas débranché ton micro. Hop là, exactement. J'étais sur la plantation. Bah bonjour, merci pour l'invitation et nous faire participer à ce webinaire donc pour vous présenter l'immeuble donc New J qu'on a fait donc en copromotion entre Ogic et Cogedim. Donc immeuble qu'on a livré en décembre de l'année dernière et donc où les habitants donc ont pris possession de leur logement il y a donc peu de temps. Donc New J, attendez, hop. Pour vous faire un peu une présentation un peu globale de l'opération, donc c'est une consultation qu'on a fait donc avec la CEMAPA en deux tours, donc qui a été lancée en juin 2016 sur trois critères de sélection qui étaient donc les innovations en termes de conception, d'environnement et d'énergie. Comme on était aussi en lien avec la mairie de Paris, il voulait aussi que donc les prix de vente soient maîtrisés et qu'on ait une application d'une charte antispéculative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix des logements ont été achetés donc entre 2019 et 2020-2021 et que les gens qui donc ont les acquéreurs qui ont acheté les appartements ne peuvent pas les revendre plus cher pendant une période de 5 ans. Et donc voilà, donc un des critères, donc un dernier critère, donc c'était la qualité architecturale du projet, évidemment. Projet donc qu'on a fait avec les deux cabinets, deux agences d'architectes qui sont AAVP, donc Vincent Parera et Catherine Dormoy. Donc comme je vous disais, donc l'équipe copromotion Cogedim-Ogic, groupement d'architectes et le paysagiste qui est Besson Girard architecte. Donc notre consultation, donc on l'a remportée en mai 2017, avec la particularité d'avoir proposé un immeuble en bois. Alors on est sur un socle béton sur deux étages et ensuite on monte jusqu'à R plus 11 en bois. Et on a aussi développé donc cette consultation autour de 25 innovations qui sont basées sur le nudge, l'écologie, le bien-être individuel et le lien social. Donc notre programmation, c'était donc 103 logements. Donc on a 133 logements en tout sur le bâtiment. 103 logements donc qu'on a vendus en accession libre. 30 logements qu'on a vendus à la Caisse des dépôts en LAC, qui est en fait de l'accession libre en locatif. On a développé aussi une colocation de 7 chambres qui se trouve au R plus 1, trois commerces et donc développé sur 8890 mètres carrés de SDP. On a donc deux labels aussi sur ce projet qui sont le NFHQE pour la qualité des logements et le 3C- en termes de carbone. Donc pour vous montrer un peu le plan masse du coup du projet. Donc, qui se situe donc dans le 13e entre l'avenue de France et la rue Jeanne Chauvin. Hop. Ce qu'on peut voir directement sur ce plan masse et par rapport à la sobriété collaborative, c'est que on a voulu développer pas mal d'espaces partagés. En fait, il y a quatre espaces partagés sur le projet qui permettent, quoi, on voulait que les gens en fait puissent se rencontrer sur des espaces un peu particulier, qui les amène à échanger, qui les amène à vivre des expériences, comme la cuisine. En fait, on a une cuisine d'été qui se situe ici, donc qui est équipée. Il y a des tables, il y a des fours, il y a des plaques, quoi. Tout est fait pour que les gens en aient juste à venir et puissent justement n'aient pas à se préoccuper de comment ils vont aménager et s'installer autour d'un repas,
s'ils veulent louer pour un anniversaire, s'ils veulent faire la fête des voisins sur le toit. Voilà, tout est organisé pour que ça soit simple et que les gens puissent se rencontrer assez simplement. On a aussi une serre potagère ici, avec des bacs où les gens peuvent faire pousser leurs aromates en lien avec la cuisine. Un autre espace qui se situe ici, qui est un cinéma. En fait, c'est un mur blanc sur lequel on a doté en fait un rétroprojecteur. Et en fait, les gens peuvent venir le prendre dans la loge du gardien, le prendre de manière gratuite et s'installer pour partager, je ne sais pas, soit des événements sportifs, soit des films, soit des. Il y a un espace de gradin qui se situe ici pour que les gens puissent s'installer à plusieurs et profiter de ben justement de voilà d'une expérience en toiture qui n'est pas courante dans Paris en général dans les immeubles. On a développé ensuite une serre qui se situe ici, qui est une buanderie parce qu'on sait que ben voilà que les gens qui ont des T1, qui ont des studios ou voilà, qui n'ont pas forcément la place d'avoir des sèches-linges, des machines à laver chez eux, puissent se retrouver dans cet espace-là avec des jeux pour enfants juste à côté. Comme ça, si jamais ils doivent monter, bah, ils peuvent prendre leurs enfants avec eux et justement bah, profiter de la buanderie en même temps. Et pourquoi des jeux pour enfants aussi sur le toit? Mais on en a mis aussi un peu. Il y a un mur pixel aussi qui se situe un peu plus bas, ou le pont habité qui a lui aussi, donc c'est la coursive que vous voyez ici, qui lui aussi donc a des modules en bois, a des espèces de petits tunnels où les enfants peuvent passer. On a voulu axer un peu les choses sur les enfants parce qu'on sait qu'ils sont créateurs de liens sociaux entre les gens, que bah, quand on va à l'école et qu'on rencontre souvent les parents. D'amis de nos enfants, bah voilà, ça crée du lien entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a un peu insisté sur les jeux pour enfants, sur le projet en termes de création de liens sociaux et de rapprochement des familles. On a une troisième serre qui est ici, qui est une bibliothèque où pareil, il y a donc une bibliothèque, les gens amènent les livres qu'ils veulent pour les échanger, pour se rencontrer. On sait qu'il y a un article qui est paru dans Le Parisien hier et qui montrait en fait que, bah, qui interrogeait justement des habitants actuels du projet et qui racontait en fait que bah, eux, entre deux habitants, bah, viennent se retrouver dans la bibliothèque pour échanger, pour jouer, voilà, ça leur fait un espace de rencontre qui fonctionne aujourd'hui. Et le dernier espace, quoi. L'avant-dernier espace partagé est donc la salle de sport ici, parce que bah, on sait que le sport aussi est créateur de liens sociaux et que bah, les gens peuvent se retrouver. On l'a vu avec les JO et l'effervescence de ce qui s'est passé autour. Donc là, c'est pareil, c'est une salle de sport qu'on a équipée avec des rameurs, vélos. Il y a des barres pour faire des tractions. Il y a aussi une barre pour faire de la danse. Il y a des haltères. Il y a un peu, voilà, c'est un peu multi-choix. Et le cinquième espace commun qu'on ne voit pas, mais parce qu'il est en sous, quoi, il est au rez-de-chaussée, c'est l'atelier du fer maison. En fait, on sait aussi que bah, voilà, l'atelier du fer maison, c'est quoi? En fait, c'est un atelier de bricolage où on a mis des établis à l'intérieur. Il y a des outils qui sont aussi mis à disposition, qu'on a achetés pour les propriétaires de l'immeuble et qui sont à disposition de manière gratuite dans la loge du gardien. Évidemment, on ne les a pas laissés. À l'intérieur de l'atelier, parce qu'on ne voulait pas que des enfants viennent jouer avec des perceuses. Mais voilà. Donc, et on sait que bah, voilà, le samedi, les gens bricolent et les gens qui aiment faire du bricolage peuvent se retrouver dans cet espace-là et partager leurs expériences et un peu leur savoir-faire, etc. Donc, encore une fois, tous ces espaces partagés sont faits pour que les gens viennent se rencontrer par rapport à différentes thématiques et encore une fois, créer du lien entre les habitants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, dans une copropriété, c'est vrai que les gens se voient pas beaucoup, à part notre voisin direct, on rencontre pas grand monde, à part se voir en nager sur des sujets qui nous font pas plaisir,
Donc là, c'était vraiment pour recréer une vie et une espèce de village dans au cœur du projet. Ici, donc, un peu la coupe du bâtiment. On a une particularité, notamment constructive, c'est qu'on est posé donc sur une dalle SNCF. On a donc les voies de la SNCF qui passent en dessous avec des trains. Il faut savoir que sur le projet, on a développé une centaine de boîtes à ressort pour éviter justement que les vibrations montent dans l'immeuble par rapport au passage des trains. Donc une boîte à ressort, c'est quoi? C'est des énormes ressorts. Les boîtes peuvent peser jusqu'à 500 kilos la boîte. Et donc voilà. Et il fallait aussi, pourquoi le bois d'une manière technique? C'est parce que faire un immeuble en béton sur une dalle qui peut supporter qu'une certaine charge, le bois étant plus léger que le béton, ça, voilà, ça a aussi participé de manière technique à simplifier et à permettre la réalisation surtout du projet. Et là, je laisse Clément, du coup, nous parler des axes de la sobriété et de tous les liens entre le projet et le thème de ce webinaire. Voilà. Bonjour. Bah, du coup, en fait, Cédric a été sur le projet davantage sur la partie à partir du PC, de la réalisation, etc., chantier. Moi, au contraire, j'étais à la phase d'avance, qui est la phase de concours et négociation de la PSE. Et du coup, ce que je vais vous présenter, c'est finalement la genèse, parce que du coup, la question qui se pose, c'est d'où vient un peu cette série comme ça d'innovations, comment on les justifie, est-ce que ça n'est pas plaqué, et puis quel est le rapport avec la notion de sobriété. Et grosso modo, l'idée que je vais développer là, c'est que la sobriété, en fait, c'est le lien que l'on fait entre ce bâtiment et la notion de sobriété. C'est la sobriété par les gestes d'économie, puisque vous allez voir qu'on a développé toute une série d'innovations sur la question des éco-gestes au sein du bâtiment, et par la mutualisation, ce qu'a développé Cédric sur la question la démultiplication des espaces communs. Alors, ce que je vais faire pour simplifier la présentation, je vais prendre la main. Du coup, sur le PowerPoint, Cédric, si ça t'ennuie pas. Et du coup, je vais partager enfin, c'est exactement le même PowerPoint, c'est là juste la suite. Donc, du coup, comme ça facilite. En même temps, je déroule le propos. Vas-y, vas-y. Alors, hops, je partage. Zoop. Et zoop. Est-ce que vous voyez? OK. Donc le premier truc qui est intéressant, c'est que la question qu'on s'est posée initialement, quand on a travaillé avec les architectes, c'est la question du site. On est avenue de France, dans le 13e arrondissement, pas en face de la bibliothèque de la BNF, François Mitterrand, un peu plus loin, un peu plus proche du périph' et des Maréchaux. On est à peu près à mi-chemin avec les tours du Haut. On est à côté, en fait, d'un collège qui s'appelle Thomas Mann. Donc, on était en 2016. Il faut se rappeler que cet endroit est un endroit pas extrêmement vivant. Du coup, la première chose qu'on s'est posée comme question, est la suivante. C'est comment on fait en sorte pour que le bâtiment participe à l'animation et à la création d'un quartier, d'un esprit de quartier, d'une vie de quartier. C'est toujours un peu ce qu'on dit généralement quand on va dans le 13e, on dit, ah, c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout à fait esprit de quartier parisien, il n'y a pas cet élément-là. Et nous, on s'est posé de front cette question-là, et on s'est dit, en fait, la manière dont usuellement on répond à cette question, c'est par les commerces, quoi, c'est le rez-de-chaussée commercial. Et là, on s'est dit, non, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire en sorte que la copropriété soit elle-même suffisamment animée qu'elle soit en fait déjà l'embryon de cet esprit de quartier. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est celle-là. C'est la question finalement de la convivialité au sein de la copropriété comme acteur d'une convivialité de quartier. Première chose. La deuxième chose qu'on s'est posée comme question, c'était, en fait, on l'avait vu, c'est qu'on construit aujourd'hui, parce que le foncier à Paris est un foncier rare, Paris est déjà une ville extrêmement dense, du coup on a tendance à construire sur des zones, en fait à créer du foncier artificiel, ce qui est le cas ici. En fait on crée une dalle au-dessus de voies ferrées et on construit un immeuble au-dessus de cette dalle. Ce qui déjà à l'époque, alors même que les questions carbone étaient émergentes dans l'immobilier, hein, en 2015-2016, parce qu'on l'a gagné en 2016, mais le concours était en 2015, donc était émergente. On s'est dit, en fait, la question fondamentale, c'est comment on fait un bâtiment qui est
économe, en fait, qui a une certaine d'économie en énergie, d'économie de matière utilisée, d'économie de carbone. On commençait un peu à travailler. Le BE avec qui on bossait sur le sujet était Franck Boutet. Je pense que vous connaissez tous. Et la question qu'on s'est dit, c'était aussi ce moment où on se pose la question, certes, on fait des enveloppes qui sont économes en énergie, on commence à... Mais la question de comment est utilisé ensuite le bâtiment est fondamentale. Et du coup, la manière dont on a fait une espèce de pivot intellectuel, ça a été de dire, OK, on doit faire un bâtiment vertueux parce que déjà pour construire du foncier, ben on a besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Ce bâtiment, il va pas être simplement vertueux dans sa construction, il va être vertueux dans son usage. Et du coup, le deuxième élément d'usage qu'on s'est posé comme question, après la question de la convivialité, ça a été la question de l'usage. Et finalement, du coup, ce que ça a fait, on s'est dit, tiens, en fait, on est en train de se dire, c'est comment le projet architectural et immobilier impacte les usages des gens qui vont être dans ce bâtiment et qui lui-même va impacter le site en retour. Donc on a quelque chose en fait comme si aujourd'hui la question du logement et de l'immobilier en fait avait un effet retour sur le site dans son ensemble à une échelle plus large. Et en fait finalement l'immeuble comme un outil de transformation du corps social. Et là, en fait, on est dans quelque chose qui est dans une grande tradition, et c'est un peu, on a fait notre présentation d'oral une partie là-dessus. L'urbaniste coordinateur, c'est Bruno Fortier, que vous connaissez probablement. Le truc, on a dit, en fait, on inscrit cet immeuble dans une tradition. C'est-à-dire que là, on va vous parler de nudge, des termes anglais, de gna-gna, etc. Ça peut paraître un peu plaqué, quoi, un peu modeux. Et puis il y avait toute cette question de est-ce que toutes ces innovations issues de Réinventer Paris, est-ce que ce n'est pas complètement superfétatoire, quoi? Est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires? Et ce qu'on disait, c'est non, il y a une tradition. Une tradition dans l'histoire urbaine occidentale qui est celle du réformisme. Et ça, on le voit bien dans un livre hyper connu de François Chauvet, où il y a d'un côté, en gros, l'urbanisme culturaliste. Et de l'autre, l'urbanisme réformiste. Et dans l'urbanisme de tradition réformiste, dans lequel, comment il s'appelle, Le Corbusier est l'élément fondamental, mais il y en a plein d'autres avant lui, avec tout l'urbanisme hygiéniste, etc., c'est de dire en fait comment l'acte architectural et immobilier est transformateur de société, quoi. Là. Donc ça est transformateur des comportements. Donc on s'inscrivait là-dedans. Et avec cette question fondamentale, donc comment concevoir un bâtiment qui peut infléchir les usages ordinaires dans un sens qu'on va définir. Il y a quelque chose de l'ordre du on pose un bien, on dit voilà, les éco-gestes, c'est mieux que pas d'éco-gestes, la convivialité, c'est mieux que l'anonymat. Hein. Il y a une option axiologique qui est clairement affirmée en fait derrière ça. Et d'ailleurs, on avait beaucoup de débats hein, avec les architectes qui ont plutôt une tendance plus anarchiste dans leur approche, notamment aussi avec le paysagiste David Besson-Girard. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on tend vers davantage ce type de comportement plutôt qu'un autre, quoi? On dit, bah voilà, c'est le principe de cette approche réformiste du monde de l'urbain. Et donc, les usages, on l'a dit, ce qui nous paraissait important, c'était les éco-gestes. C'est-à-dire comment faire en sorte que dans la vie de ce bâtiment et ses usages, il y ait une sobriété. La convivialité, c'est-à-dire c'était un truc, comment faire en sorte que, en fait, en mutualisant des espaces, en travaillant, en fait, on crée un lien social entre ces nouveaux habitants qui va essaimer au-delà du quartier. En fait, on va dire, ah bah tiens, il y a déjà à l'échelle de l'immeuble et à la copropriété une convivialité et qui va être débordante comme ça sur l'ensemble. Et la troisième chose, mais qu'on a en fait travaillé différemment et en dehors de la question du nudge, à mon sens, c'est la question de l'adaptabilité. C'est-à-dire que c'est lié en fait à ce que disait Cédric sur l'enjeu de le logement à Paris est cher, il faut lui donner un plafond, des lutte spéculative. Et ça, on est d'accord, mais on imagine bien aussi que construire sur comme ça en bois sur un pont, bah ça coûte pas cher en fait. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction à la maîtrise des prix de sortie qui, bah, du coup, est lié à le foncier. Il devient extrêmement coûteux à produire en fait à Paris. Et je veux dire, construire cette dalle au-dessus des voies ferrées, qui est le travail de l'aménageur, il a coûté très cher. Donc en fait, l'aménageur nous dit, eh oh, moi j'ai besoin d'une plusieurs dizaines de millions d'euros. Je ne vais pas vous dire le chiffre exact, mais voilà.
pour rentabiliser ma dalle, pour pouvoir la payer concrètement. Et moi, de l'autre côté, j'ai un immeuble qui est en bois, qui lui aussi coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, construire cet immeuble par mètre carré, c'est en gros 3 500 euros par mètre carré construit. Quand on construit normalement à Paris, on est plutôt entre 2005 et 2007. Donc là, il y a un surcoût de l'ordre de quasiment 1 000 euros pour faire le travail. Ouais. Donc en fait, la question va se poser aussi quand on y parle de prix de maîtrise de sortie. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une manière intelligente de travailler ce prix maîtrisé en disant, attendez, OK, on va maîtriser au maximum le prix, mais on reste quand même sur des prix parisiens. En fait, on n'est pas en dessous du marché, mais sur des prix parisiens. Ces prix parisiens, en fait, le problème, c'est que l'appartement, il est difficilement adaptable à l'évolution des besoins. Et du coup, on a créé des appartements qui sont adaptables. Et vous verrez à l'évolution des besoins, l'évolution de la taille de la famille. Et Cédric en parlera. Moi, je ne vais pas en parler là. Mais Cédric en parlera et vous verrez, on a été assez loin. Mais ce thème-là est en fait un peu différent du thème de la sobriété et du thème du nudge qu'on va développer. Alors, comment on a fait pour favoriser les éco-gestes au quotidien, favoriser la convivialité? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais si on sent qu'il faut les favoriser, c'est qu'il y a des freins. Et ces freins, il faut d'abord les documenter. Et du coup, on a demandé à BVA, et ça, je pense que c'est une démarche assez nouvelle, parce que moi, c'est la seule fois, mais en fait, j'ai fait une autre fois. Je l'ai fait deux fois dans ma carrière, ça fait 10 ans que je fais de la promotion immobilière. C'est la seule fois où j'ai fait une étude préalable, non pas de la demande de est-ce que vous voulez un appartement à tel endroit, mais de pourquoi est-ce que vous ne rencontrez pas vos voisins? Et on a posé des questions et on a fait une observation qualitative et des interviews et un peu d'ethnographie. On est allé voir, je crois que c'est plus d'une vingtaine de ménages parisiens, et on leur a demandé, est-ce que vous parlez à vos voisins? Oui, non, pourquoi? Expliquez-nous. Est-ce que vous éteignez en partant, en sortant de la chambre? Oui, non, pourquoi? Est-ce que vous débranchez vos appareils? Oui, non, pourquoi? Est-ce que de quel temps dure votre douche? Oui, non, pourquoi? Et on a fait cette enquête, et c'est de là qu'on a trouvé les freins à ces éco-gestes et à la convivialité. Et toute l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ces freins, en fait, on a une théorie scientifique basée sur les sciences, sur la psychologie comportementale, qui est plutôt quelque chose d'origine anglo-saxonne, hein, d'où le côté nudge, qui est un terme anglo-saxon pour dire coup de pouce. On a une science comportementale qui va nous dire, en fait, quels sont les petits dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place qui vont lever ces freins. Et ces petits dispositifs, c'est précisément les nudges. Alors du coup, on va bien, c'est la deuxième grande idée. Donc on a cette première grande idée qui était celle que je vous ai dit, donc ce côté réformisme, enfin. La deuxième grande idée, quand on commence à avancer, c'est les nudges visent à lever les freins à l'action souhaitée. Et du coup, ça s'est incarné dans le projet, vous allez voir, de deux manières très concrètes. Sur la convivialité, la question d'un village vertical. Et sur la question des éco-gestes, sur la question des points de saillance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Le village vertical, et vous allez voir les images. Alors là, pour l'instant, vous avez compris, c'est pour ça qu'on a organisé un peu comme ça. Cédric, vous avez fait une présentation globale avec un plan masse, c'est jamais hyper sexy, un plan masse, et une coupe, peut-être encore moins sexy, mais qui nous parle bien quand on est un peu technicien. Donc, vous voyez, qui permettait un peu de cadrer, de mettre. Là, je vous fais un truc un peu théorisant, mais qui démontre une démarche, bah, que, en fait, voilà. Et vous allez après voir les images. Réalisé. On va vous montrer très, très concrètement. Donc, soyez pas impatient. Donc, le village, la notion de village vertical, ça va être l'idée que développée en fait par Porzan Park, puis reprise par Fortier, de travailler la question de l'îlot ouvert. Vous vous souvenez, en fait, je disais, en fait, une des problématiques centrales de ce sujet, c'est la question de l'animation à partir de l'immeuble, de la rue. Et toute l'idée, c'était de dire, bah, vous voyez, on a un îlot ouvert, mais l'îlot ouvert, parce que c'est le schéma urbain tel qu'il a été défini par Porzan Park, plus près de la Seine, et repris par Bruno Fortier à cet endroit-là. L'îlot ouvert, il permet des qualités, je dirais quasiment bioclimatiques avant l'heure, d'ensoleillement, de vue, etc. Et là, ce qu'on a dit, mais attendez, du coup, en fait, cet intérieur de l'îlot ouvert qui est bien foutu avec ses failles, etc., qui permet au soleil de passer, qui permet des vues, et vous allez le voir, machin, nous, on va pas simplement
se faire comme ça une espèce de cône d'air et de lumière à l'intérieur du bâtiment, enfin à l'intérieur de l'îlot, qui permet d'avoir une grande qualité, on va aussi, en fait, ce cône, on va en faire un lieu d'usage. Et vous allez voir, en fait, que la manière dont fonctionne le bâtiment, c'est une série de coursives qui mènent aux différents espaces partagés, qui sont situés à des étages différents, et qui du coup, en fait, amènent au sommet, à ce qu'a présenté Cédric, cette immense terrasse. Elle fait près de 400 mètres carrés, dans mon souvenir, cette terrasse du 11e étage, sur le toit du 11e étage, qui est à la fois plantée et à la fois d'usage, et qui permet d'avoir une vue sur Paris qui est assez exceptionnelle, hein, parce qu'à R+11, on est quand même très très haut. En plus, comme vous avez compris, bah, on est sur la butte au-dessus des voies ferrées, donc on commence à être très haut par rapport au toit parisien, je dirais, classique. Du coup, cette idée-là, c'est qu'on passe, en fait, ces coursifs définissent un cheminement, quasiment un cheminement vielle, comme ça, où on passe d'un espace partagé à l'autre, il y a des élargissements, il y a des zones plus réduites, etc. Et tout ça, en fait, donne à l'intérieur de ce bâtiment, à son cœur d'îlot, dans son cône central, dans son volume central, tout comme ça, une diffusion, et permet de dire, bah, en fait, le cœur de la vie de ce bâtiment sera là. Et c'est pour ça que ce bâtiment, il fonctionne comme un extérieur strict, noir, comme ça, comme vous l'avez vu, ou bleu très foncé, j'ai oublié sa couleur exacte, comme ça, qui est assez beau C'est dans bon. l'idée. C'est noir. Hein, du coup, un intérieur blanc, comme ça, qui permet hop, de donner, en fait, une clarté. Et dans l'interview, dans l'article du Parisien qui est paru ce matin, hein, dans l'article du Parisien, ou hier soir, l'article du Parisien, le premier mot d'un habitant, vous savez, nous, alors, les promoteurs, on flippe, hein, quand il y a quelqu'un qui va voir machin, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que les gens vont apprécier, enfin, c'est pas quelque chose qui nous est simple. Et quand on a lu l'article là ce matin avec Cédric, on a dit, tiens, le premier mot d'un habitant, c'est, ah, c'est comme dans un paquebot, en fait. C'est assez marrant. Donc, du coup, la question de la lumière, la question de la coursive, et il raconte des usages sur ce volume central qui est assez saisissant, quoi. Donc ça, c'est le village vertical, et c'est sur la question de la convivialité. Et le deuxième truc, c'est sur les pointes de saillance. En fait, ce qu'on a remarqué, alors pardon, j'aurais dû pardon, j'ai oublié une petite idée, mais après je y reviendrai. Sur les pointes de saillance, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ne font pas les éco-gestes. Parce que, en fait, dans le moment du geste, en fait, ils pensent à autre chose. Tout le monde nous dit, ah oui, c'est vrai, la douche, ça dure longtemps, mais en fait, bon, enfin, je sais pas, je suis bien sous ma douche, je réfléchis à autre chose, je planifie ma journée, je me relaxe. Enfin, il y a quelque chose dans la douche où finalement, je suis pas en train de penser à la quantité d'eau que j'utilise, mais je pense à autre chose et je suis plutôt bien. Et c'est un moment finalement un peu calme entre moi et moi. Sorte un peu de voluptu, quelque chose d'un peu voluptueux qui fait qu'on laisse passer un peu le temps, quoi. Mais on s'est dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu marrante, pas trop préchi-précha, de rappeler le bon usage au moment où le geste est effectué? Et ça, ce truc de la douche où on s'oublie, en fait, il est vrai pour tous les trucs, hein. Il est vrai pour au moment du tri des poubelles, on se dit, bah voilà, zut, j'ai tri des poubelles, je le fais pas très bien, enfin, bon, allez, hop, il faut que je fasse vite, c'est un peu crado, j'ai pas le voilà. Tout le monde, en fait, des petites paresses, en fait. Et ben, ces petites paresses, c'est au moment où elles sont faites qu'il faut rappeler, sans être trop pesant, le bon usage. Du coup, pour la douche, on a installé des douches qui juste changent de couleur au bout de, je sais plus combien de minutes. Tac! C'est juste un petit rappel. Si tu as envie de l'ignorer, tu l'ignores. Mais au moins, tout d'un coup, c'est revenu à ta conscience. Pareil, sur le tri des poubelles, on a mis, alors en bas, pas dans la poubelle des gens, mais en bas, au moment où on jette les poubelles, il y a une grande fresque avec comme ça, une fresque avec une personne qui regarde un peu comme National Geographic, cette fameuse photo d'une petite fille avec des yeux super verts et tout. Et puis derrière, il y a un décor de savane complètement idyllique. Là, on a quelque chose de cet ordre-là. Et on dit. En fait, ce visuel-là est un petit rappel, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que en fait, je trie. C'est un rappel qui n'est pas un rappel fort. D'où ça vient, ça? C'est qu'en fait, ces petits nudges, c'est ça, c'est ces petits dispositifs de rappel, etc., ils ont déjà été testés. En fait, on ne les a pas inventés, on n'est pas cherché midi à 14h. Hein. Hop, ils ont déjà été testés et on sait que quand on fait ça, les gens font le bon geste. Par exemple, quand on met une jarre
avec pour donner un pourboire. Si sur cette jarre, il y a merci, les gens, s'il n'y a rien, les gens donnent un petit peu. S'il y a merci, ils donnent un petit peu plus. Mais s'il y a l'image de quelqu'un qui regarde juste un regard, en fait, les gens donnent plus. Parce qu'en fait, le regard est le rappel de la norme. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis en place comme ça, à partir d'un savoir, qui est un savoir qu'on peut consulter sur toutes les revues scientifiques, sur les questions des nudges, proof, des sciences comportementales. En fait, on a mis en place des choses dans le bâtiment. Et ça, Cédric va pouvoir en détailler un peu plus. Et je reviens 2 secondes à dire, le frein qu'on a trouvé sur la question de la convivialité, il était extrêmement simple. C'est que les gens disent, moi, je ne parle pas à mes voisins, parce que déjà, ils entendent trop de choses qui viennent de moi, parce qu'on a déjà trop de promiscuité quelque part. Et du coup, il dit, et j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de quelque chose d'autre pour alimenter la conversation. Et je ne l'ai pas toujours. Et en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ce village vertical, en fait, il fournit des activités aux gens qui habitent dans cet immeuble pour parler d'autre chose que de leur relation de voisinage et de leur relation d'âgé. On parle tout d'un coup d'enfants. On parle tout d'un coup de la bibliothèque et des bouquins qu'on échange. On parle tout d'un coup des arômes, des plantes aromatiques qu'on aime. Ah, moi, j'aime bien le persil plat. Moi, je suis plus coriandre. Bon, voilà. En fait, on donne l'occasion de gens de se relier aux uns aux autres sur des bases différentes de celles qui sont normalement dans le voisinage. Voilà, donc j'étais un peu long, mais je repasse la parole à Cédric qui peut détailler un peu plus précisément et après on vous montre plein de super photos. Et voilà, je te laisse la main, Cédric. Ouais. Et je débranche mon micro. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, Ok. oui. Alors, du coup, bah, comme disait Clément, donc on a développé pas mal d'innovations sur le projet pour la convivialité, l'éco-geste et la flexibilité. On a commencé par, dès la signature en fait, des actes de vente de chaque appartement, de faire signer une charte immeuble nudge à chaque copropriétaire pour qu'il se sente un peu impliqué déjà dans la démarche. Déjà lui expliquer ce que c'était le nudge, le fait du coup de pouce et d'agir de manière un peu induite sur leur comportement pour les amener à des choses un peu plus respectueuses et de l'environnement, des économies d'énergie et la création du lien social. Donc ça a été un peu la première entrée en matière qu'on a faite avec les copropriétaires, c'est donc leur faire signer une charte comme quoi ils adhèrent exactement en leur expliquant un peu tout notre concept. Ensuite, donc, on a fait des innovations, notamment donc, autour de l'énergie. Donc, on a mis en place en fait des bilans énergétiques comparatifs à l'échelle du programme et des logements en fait afin de responsabiliser les habitants sur leur consommation électrique. C'est-à-dire qu'on a un tableau en fait, on a un boîtier Schneider électrique qui récupère dans chaque appartement, mais de manière anonyme, toutes les consommations énergétiques du bâtiment de chaque appartement. Et en fait, on a mis en place une plateforme où en fait les gens peuvent se comparer les uns aux autres, encore une fois de manière anonyme, parce que le but, ce n'est pas d'aller voir son voisin et de l'engueuler parce qu'il consomme trop. Mais c'est juste pour qu'en fait, ils prennent conscience et qu'ils se disent, bon, bah, à côté, bah, il y a telle famille, quoi, il y a une famille, il y a un T4 qui est à côté de moi, en fait, il consomme moins que moi, peut-être que j'abuse, donc peut-être que je vais faire un peu attention. Encore une fois, comme disait Clément, le but, ce n'est pas de taper sur la tête des gens en leur mettant des sanctions, en leur mettant de... C'est juste leur suggérer le fait voilà, de prendre conscience que bah, ils peuvent peut-être consommer un peu trop et que peut-être qu'il y a des moyens de réduire. Et le fait de voir sa consommation au mois le mois permet aussi voilà, de s'en rendre compte plus facilement. On a développé une autre innovation, comme disait Clément, notamment des douches. En fait, donc on a un pommeau de douche dynamique qui passe en fait du vert au rouge quand en fait un certain débit d'eau a été consommé parce qu'il y a un mini débitmètre qui est dans le pommeau.
Et qui permet bah, justement de manière induite aussi de vous dire bon bah attention là vous êtes passé au rouge voilà c'est la consommation d'eau normale d'une douche bon, si vous voulez faire plaisir continuez mais sachez que voilà encore une fois de manière induite on vous suggère de voilà de faire un peu attention à l'eau. On a aussi créé sur on a gamifié un peu. En fait, il y a un jeu qui a été mis en place sur toute la copropriété qui peut se mettre sur smartphone ou sur site internet. Et c'est pareil. En fait, c'est pour sensibiliser les gens par rapport à la consommation énergétique du bâtiment parce que c'est relié. Voilà, en disant bah, celui qui consomme le moins, en fait, gagne aussi le jeu. Donc, encore une fois, il y a une incitation indirecte à vouloir, en agissant directement sur ses propres consommations, à améliorer ses consommations. On a donc pour tout ce qui est tri sélectif, donc on a des stickers en fait qui sont en fait, comme disait Clément, c'est une fresque en fait qui vous dit que si vous recyclez, je sais pas, 50 bouteilles d'eau, bah, vous pouvez faire un pull. Si vous recyclez tant de canettes, vous pouvez créer tel objet. Et en fait, ça incite à. Ça permet de réaliser que le geste de jeter dans la bonne poubelle fait que, bah, en fait, derrière, il y a quand même des choses qui se passent. Et ce n'est pas juste, ça part à l'incinérateur, et que si on le fait bien, bah, justement, on va pouvoir avoir une plus-value au début d'une chaîne de recyclage. On a aussi incité les gens à faire. En fait, tout ce qui est un peu sportif, tout ce qui est un peu développer le côté un peu santé sur les gens, donc notamment avec la salle de sport. Mais par exemple, si vous voulez, on a mis en avant dans l'architecture du bâtiment les escaliers. C'est-à-dire que il y a certes, quoi, il y a notamment, je pense à la cage B qui est très parlante, mais quand vous arrivez à l'intérieur du hall et que vous dépassez le hall, la seule chose que vous voyez en fait devant vous, c'est un escalier. L'ascenseur est un peu caché et le but en fait, et en plus les coursives aident à vouloir se déplacer à travers le bâtiment à pied, bah, le but c'est vraiment d'inciter les gens à prendre les escaliers et à faire quelque part un peu d'activité et éviter de prendre systématiquement l'ascenseur. En plus, le fait de passer par les coursives, évidemment, fait que bah, vous rencontrez plus facilement les gens qui habitent avec vous. Je vais passer. Hop. Donc voilà, après ça, donc c'était une description un peu des espaces partagés dont on a déjà un peu parlé, qui sont donc disposés sur tout le. Sur tout l'immeuble. Et encore une fois, on a des retours qui sont assez positifs sur ces espaces partagés. Et on voit que les gens, en fait, vraiment se rencontrent plus simplement, plus facilement. C'est sûr que c'est des choses qu'il faut penser dès la conception du bâtiment, parce qu'on ne vient pas rajouter des serres avec des buanderies, avec des réseaux qui nécessitent pas mal d'éléments techniques pour que ça soit mis en place. Mais voilà, il y a un impact assez fou sur la vie des gens. Alors, ensuite, une des particularités du projet, c'est la flexibilité des logements. Je m'explique, on a créé une chose qui s'appelle la pièce baladeuse. La pièce baladeuse, en fait, ça permet, si vous vous sentez bien dans votre immeuble et que vous n'avez pas forcément envie de déménager, et que vous avez besoin d'une pièce en plus, quelque part, en fait, on a créé au sein même des appartements des lots de copropriété sur une pièce. Donc, un appartement est en fait divisé en deux lots de copropriété. Et si votre voisin, un jour, s'en va, quitte l'immeuble, vous avez un droit de préférence quant à la revente de cette pièce partagée. Et en fait, vous pouvez racheter une pièce de l'appartement voisin pour agrandir, en fait, de manière assez simple, hein, c'est juste passer chez le notaire, dire je rachète ce lot de copropriété qui est la pièce baladeuse de l'appartement d'à côté. Et ça vous permet d'étendre et de gagner une chambre ou d'agrandir votre salon ou suivant vos besoins en fait. Donc il y a une vraie flexibilité dans le temps et dans l'usage du logement. On a aussi fait.
Il y a certains appartements, par exemple, on a des T4 ou des T5 qu'on peut diviser en deux appartements, parce qu'on a déjà prévu dans les gaines techniques l'électricité avec deux tableaux, deux compteurs. Et les gens, si à un moment, bah, pareil, on a les enfants qui partent en études, qui quittent l'appartement, l'appartement est un T4 ou un T5, il y a une chambre, on n'a plus besoin, les charges de copropriété sont peut-être un peu élevées vu la surface de l'appartement. On peut séparer une partie de l'appartement. Qui aura sa douche, qui aura des arrivées pour une cuisine, etc. Et le mettre en location. Donc voilà, il y a une vraie réflexion sur, voilà, sur la flexibilité de l'usage de l'immeuble dans le temps, en fait. Et donc maintenant, on va vous présenter un peu, avec Clément, bah, les photos. C'est la réalisation du projet. Donc là, qui était en cours de finition parce qu'il manque l'œuvre d'art qu'on n'a pas en bas, qui a été fait par 1024, qui est donc un artiste assez connu avec qui joue beaucoup sur les LED et un peu des shows lumineux. Donc, bâtiment comme ça à première vue assez massif, assez austère en noir mais en fait qui vient s'éclairer par l'intérieur. Avec le jeu des coursiers et du fait d'avoir aussi toutes les façades blanches, qui, avec bon, quand il y a du soleil, en plus, ça fait vraiment un puits d'éclairement qui est assez extraordinaire à voir. On a mis aussi, alors ça, c'est en relation avec le designer Malte Martin avec qui on a travaillé sur le projet. Vous avez ici, vous voyez des plaques un peu noires avec des points bleus. Ça, c'est ce qu'on appelle la façade du mois. C'est-à-dire que chaque copropriétaire, quand on leur a vendu les appartements, et bah, au fur et à mesure de l'avancement, on leur a demandé, il y avait plusieurs choix dans la représentation de la plaque. Soit c'est des points, soit c'est des. Et en fait, cette façade du mois permet aussi aux gens de s'exprimer juste à l'entrée de. Parce que donc, elles sont positionnés à côté des portes d'entrée de chaque appartement. Et ils peuvent, bah, je ne sais pas, poser une fleur, poser, s'ils font du running, bah, ils viennent avec leurs chaussures, ils posent, parce qu'elles sont trempées, ils les posent sur la façade du mois. Et en fait, le voisin ou les gens qui verront que cette personne-là bah, a des chaussures de running se diront, ah, mais tiens, toi, tu fais de la course à pied, bah, moi aussi, j'aime bien ça et tout, etc. Ou, je ne sais pas, on peut déposer des livres, on peut en faire un peu ce qu'on veut et surtout exprimer un peu ce qu'on fait et des fois ce qu'on n'a pas vraiment le temps de discuter juste quand on sort de chez soi. Le fait que les gens voient justement ce qu'il y a sur cette façade permet d'en dire un peu plus sur le locataire, quoi, sur le propriétaire et surtout en fait que des fois, oui, on n'a pas vraiment envie d'exprimer de manière en parlant, mais juste en montrant. Et donc c'est un Juste une prétexte à chose. prendre. Oui. Là-dessus, justement, en fait, ça venait, c'est une idée que, en fait, qu'on a eue quand, en fait, dans le résultat de l'étude faite par BBA, en fait, en gros, les gens disaient, en fait, nos voisins, ils en savent déjà un peu trop sur moi, en fait. C'était un peu ça, le thème, quoi. Et ils savent des choses que j'ai pas forcément envie qu'ils sachent. Enfin, c'est ça, le truc. L'idée de ces façades du mois, c'est de dire, bah, justement, on redonne aux gens la maîtrise de leur identité publique quelque part. Et c'est un peu comme on a vu ensuite, quand on réfléchissait avec les archives, en fait, c'est un peu comme aussi dans les maisons individuelles, le rôle du portique. Il y a des gens qui mettent des énormes hortensias pour montrer qu'ils aiment bien les beaux jardins, d'autres qui, au contraire, mettent des nains de jardin pour montrer qu'ils ont un goût de ce style, un peu kitschouille. Et en fait, ce truc-là, c'était dire, en fait, au sein des copropriétés, usuellement, sa porte d'entrée n'est pas un lieu d'expression de qui l'on est. Et bien là, avec ce système vierge, finalement, on redonne, avec ce cône central avec des usages, et avec cette façade qui est une façade appropriable, où je peux mettre aussi bien même quelle est la prochaine pièce de théâtre dans laquelle je joue. Là, j'ai un voisin qui a fait ça, il a mis ça sur sa porte. Et bien là, pouf, on pourra le mettre là. Quelle est la prochaine pièce de théâtre? Ou bien alors, si je vais faire le prochain semi-marathon de la ville de Paris. Enfin, des choses comme ça. Et en fait, on se réapproprie une forme d'identité un peu publique, et on l'exprime, on la manifeste là à travers ces façades appropriables.
Pardon. Non, Vas-y, Cédric. nickel. Non, c'est pas mieux. du coup, voilà. Donc là, ce qu'on voit donc à l'image, donc c'est l'atelier du fer maison donc, qui était en cours d'installation. Évidemment, tout ce qu'on voit ici, ce sont des photos du réalisé, hein, avec la bibliothèque partagée. Donc, on a mis aussi pas mal de mobilier extérieur pour que bah, les gens puissent aussi s'approprier les espaces des coursives qui sont plus larges à certains endroits, justement pour permettre un peu l'installation des gens et qui puissent se poser tranquillement entre eux. Donc, voilà, ça c'est l'intérieur donc, de la bibliothèque avec une particularité que vous voyez donc, sur la droite de l'image, c'est ce qu'on appelle le mur pixel. En fait, c'est simple, hein, c'est des carrés, c'est des gros pixels qui sont blancs, quand on les retourne, ils deviennent bleus. Et en fait, on s'est aperçu que bah, les gens, même pendant les visites qu'on faisait, s'amusaient de manière assez naturelle et assez induite avec ce mur. Et du coup, encore une fois, ça permet de bah, que les gens voilà, se viennent, se rapprochent et discutent entre eux. Ça, même chose, cette idée que les enfants sont le vecteur du lien social entre les parents, et en fait, vient d'une étude hyper connue en sociaux sur les banlieues américaines. En gros, vous savez, dans les années 60, le développement des banlieues américaines, des suburbs, etc. Et on se dit, ah, c'est la fin du lien social, etc. Machin. Et un sociologue très connu de l'époque qui s'appelle Herb Gans, va, bah, il dit, bah, on va vérifier. Et du coup, il ne trouve pas tout à fait ça. Il trouve en effet un peu. Des disparités fortes, il y a des gens qui sont assez isolés, mais les gens qui sont assez isolés, ce sont les gens sans enfants. Et en fait, ce qu'il remarque, c'est que, et après, il a trouvé un nom un peu prétentieux, la fermeture du, je crois, de quadratique relationnel, pour dire simplement que les enfants créent le lien au niveau bas, clouc, 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 et du coup, les parents, ensuite, bah, recréent un lien, alors d'abord uniquement sur les enfants, puis ensuite sur d'autres choses, quoi. Et on a tous connu ça, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde qui a eu des enfants, machin, enfin, c'est une évidence complète. Mais on s'est dit, tiens, c'est marrant que la copropriété n'utilise pas ça. Et du coup, on a créé toute une architecture de dispositifs à ce qu'on a appelé l'architecture de fête, à 1,40 m de fête au sens de la fête. Et du coup, il y a ça, il y a des jeux, il y a d'autres photos qu'on n'a pas là, mais on voit en fait les autres éléments qu'on a mis sur la coursive, la première coursive, où il y a des tubes, enfin des jeux pour enfants, quoi, un peu comme dans un parc, ou à un autre endroit, il y a carrément des totems où ils peuvent, un peu comme des totems indiens, un peu rigolo, où ils peuvent faire les cow-boys et les indiens, quoi. Et du coup, c'est cette idée-là qu'on a travaillé. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a travaillé du coup une échelle de projet qui est une échelle bien plus petite que ce qu'on fait d'habitude dans les concours et au niveau PC. D'habitude, tout ça, en fait, enfin, bah, vous savez, c'est le célèbre truc, quoi. Grosso modo, la face PC, c'est les façades qui comptent, quoi. Bon, parce que c'est ce que regarde la ville. Là, en fait, du coup, on entrait dans un détail, dans une échelle qui n'est pas complètement habituelle dans le projet. Ça nous a forcé à aller là-dedans. Et d'ailleurs, les archis, au début, étaient un peu pataux sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a fait appel, mais dès la phase concours, à quelqu'un qui s'appelle Malte Martin, qui est un peu spécialiste de cette échelle-là, de cette petite architecture un peu festive. Voilà. Exactement. Et ça touche les enfants, mais en fait, les parents s'amusent aussi. Donc, c'est assez complet. Donc, là, on voit le bout d'une coursive. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas pris des photos. Mais sur la toiture, par exemple, vous voyez Paris aussi à 360 degrés. Donc, vous voyez la majorité des monuments et une vue qui est assez au 11e étage, parce qu'on est à 30 mètres de hauteur en haut. Qui est assez spectaculaire. Il y a une chose qui est intéressante aussi là-dessus, là sur juste l'image d'avant, c'est qu'en fait, vous voyez, là, c'est une circulation, mais elle distribue en fait un appart, dans mon souvenir. On est à un angle à cet Oui, endroit-là. Euh, tout à donc en fait. fait, il y a ça. Donc la personne qui habite là, en fait, là, si elle veut mettre une chaise longue, il y a personne d'autre qui passe là. Et il y a comme ça une espèce de générosité de la quantité de coursives. Alors, je peux vous dire que nous, on s'est battu, hein, avec les architectes, avec les responsables de programme, avec nous, pour tenir un peu cette quantité de coursives. Hein. Mais là, en fait, cette coursive, elle n'a pas été, je dirais, vendue à la personne qui habite là. Mais de fait, l'unique personne à en avoir l'usage, c'est celle qui c'est la famille qui a cet appartement d'angle. Donc, elle a ses propres espaces privatifs.
de l'autre côté, qui donne sur l'avenue de France, sur les tours du Haut, sur la bibliothèque sur la bibliothèque François Mitterrand. Et de l'autre, ils ont cet espace qui est commun, mais dont l'usage peut être un peu pour soi-même, et qui du coup, pour nous, a lieu. Et dans l'article du Parisien, il y a précisément, il raconte que ces coursives sont très utiles pour faire, pour que les, pour avec les poussettes, pour faire en sorte que les bébés s'endorment en été. Et il raconte ça, il a fait très chaud cet été. Alors moi, je n'ai pas trouvé qu'il faisait très chaud cet été, mais dans l'article, il dit ça. Donc il dit, et là, c'était bien, on faisait balader sur ces coursives les enfants pour qu'ils s'endorment un peu au frais. Et hop, exactement un usage privé sur un espace commun, mais qui, de fait, par sa générosité et son emplacement, finalement, a quelque chose d'un peu privatif. Voilà. Vas-y, Cédric, c'est à toi. Oui, exactement. Non, non, mais c'est vraiment le but de Je me ces permets de vous coursives. dire qu'il vous reste 2 minutes. Bah, Bah, on a fini, en fait. on a terminé. Après, c'était voilà, c'était la photo d'un appartement à l'intérieur qui. Alors, on a voulu. La particularité de chaque appartement, c'est que soit ils sont biorientés, soit ils sont tous, quasiment tous traversants. Parce que justement, l'avantage des coursives fait que bah, on a réduit au maximum les parties communes intérieures. Et que, bah, en fait, on a souvent une vue sur rue et une vue sur le cœur d'îlot. Donc, c'est aussi une qualité pour les appartements qui est permis aussi donc, par les coursives. Et c'est vrai que voilà, ça apporte quand même beaucoup plus de lumière intérieurement. Et il y a quelque chose de plus agréable pour les habitants. Ensuite, bon, bah, voilà, on avait fait un peu la liste de toutes les innovations qu'on avait fait donc, sur le projet, constructive, des innovations en termes d'usage. Voilà, ce qu'on vous disait, hein, les énergies gamifiées, les stickers, le parcours de vitalité, la flexibilité des logements avec la pièce baladeuse notamment. Il y avait aussi quelque chose qui était assez intéressant, c'était au niveau de la. Comme on est sur de la structure bois, poteau-poutre, on avait une flexibilité aussi à la commercialisation, c'est-à-dire que sur un étage, par exemple, bah, les premiers acquéreurs arrivaient et disaient bah, moi, mon T2, je ne le veux pas à l'angle, en fait, je le veux plutôt au centre ou je le veux plutôt à droite. Et bon, c'est vrai que c'était un peu le premier arrivé, fixer l'étage, parce que c'est vrai qu'on avait un T3, un T4 et deux T2, par exemple, sur un. On pouvait les moduler comme on voulait dans l'espace sur l'étage. Et donc, le premier acquéreur arrivait et disait bah, moi, en fait, mon T2, bah, je le veux plutôt à droite ou plutôt à gauche. Donc, ça, c'était aussi une particularité qui était permise par la structure bois de l'immeuble. Donc, voilà. On a fait, donc, en gros, une vingtaine d'innovations avec bah, les espaces partagés, comme on vous disait, la façade du mois. Les espaces partagés sont tous privatisables aussi, parce qu'il y a des serrures connectées qui permettent, qui sont en lien avec un site et qui permettent de privatiser si vous voulez la salle de sport, si vous voulez la cuisine. Voilà, avec ce que disait Clément, l'architecture de fête à 1,30 m, donc ça c'était surtout pour les enfants, avec les totems de la buanderie, les tapis de jeu. Alors, il y a les paysages modulaires aussi qu'on a mis dans la buanderie, avec notamment un énorme jeu d'échecs qui doit faire 2,50 m de haut. Quoi, voilà. On a mis à disposition des propriétaires, des acquéreurs, vraiment pas mal de choses pour créer ce lien. Voilà. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ben merci beaucoup, c'était assez magique. Ce que je vous pro... Alors, il y a pas mal de questions à la fois dans conversation et dans Q&R, mais je propose qu'on passe une série de questions après 3 interventions. Donc, merci Clément et Cédric, hein, vraiment. Et puis, on passe sur les questions après. Donc là, je vais passer la parole à Andréane Valo, qui est designeuse et qui va nous parler d'une expérimentation qu'elle a faite avec l'Agence parisienne du climat. Andréane. C'est ça. Bonjour. Merci. Je vous préviens juste qu'il y a des travaux au-dessus de chez moi, donc potentiellement ça ne va pas être terrible niveau son. N'hésitez pas à intervenir si vous m'entendez mal pour que je répète quelque chose. Bah, je vais partager mon écran. Pourquoi l'écran est noir? Au moment, c'est noir, effectivement.
Je sais pas pourquoi c'est noir. Désolée, petit réglage. Et que les bruits, c'est pas terrible non plus. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas pour le moment. Non? Ok. Je vous fais. Désolée. Ok. C'est Bah, bon. c'est bon? C'est bon. Ok. Très bien. Comme disait Marie-Laure, je vais vous présenter cette expérimentation qui vient de se terminer en collaboration avec l'Agence parisienne du climat. Donc, moi, je suis designer indépendante et je travaille plus spécifiquement dans le domaine des services et des politiques publiques. Donc, ici, sur ce projet particulièrement, ce projet a été réalisé parce que. Avec l'Agence parisienne du climat, le constat a été posé qu'il y avait une certaine dissonance entre la sobriété énergétique réelle qui dépend des comportements des habitants et l'efficacité énergétique qui était mise dans les bâtiments et qui actuellement dans les politiques publiques, c'était plutôt vers les travaux de rénovation qu'étaient tournées les initiatives, mais pas forcément vers la sobriété des usages des bâtiments. Et que pour ça, il y avait vraiment une nécessité d'avoir un accompagnement, un tiers de confiance pour accompagner tout ça, le passager à l'acte. Donc c'est sur ça qu'on s'est basé, et en se disant aussi qu'en fait, en copropriété, puisqu'on est sur un bâtiment collectif qui souvent s'ignore, pour faire ce passage d'une sobriété individuelle à une sobriété collective, il fallait essayer de travailler sur la convivialité comme levier d'activation de cette approche-là. Donc à la fois travailler sur les consommations individuelles, mais sur un soin collectif apporté au cadre de vie. Donc pour la démarche, pour vous expliquer un peu cette démarche de design qu'on a essayé de mettre en place, en gros, on a prévu quatre phases dans cette expérimentation entre octobre 2023 et septembre 2024. Donc une première phase d'immersion qui consistait à essayer de comprendre quels étaient les besoins des habitants, leurs besoins, leurs envies, de vraiment ouvrir un dialogue pour mettre en commun les choses sur l'immeuble. Une seconde phase qu'on a appelée la phase d'idéation, qui avait pour but de générer des idées, de soulever des solutions ensemble avec les habitants pour améliorer le cadre de vie et la compréhension des enjeux de sobriété. Ensuite, une phase de prototypage qui visait à du coup mettre en action ces idées-là qu'on avait générées en premier temps ensemble pour ensuite faire ce dernier travail de prise de recul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché ou pas et potentiellement aussi faire des allers-retours un peu tout au long de la démarche qu'on appelle une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on va revenir en arrière, s'adapter à chaque fois, si quelque chose n'a pas marché, on va essayer de revenir un peu en arrière pour réadapter et faire en sorte que ça marche mieux. Donc pour cette expérimentation, pendant un an, donc on a intégré trois copropriétés pour avoir des points de vue complémentaires sur ce qui marchait ou pas et faire cette démarche itérative, donc ce qui marchait bien ou pas dans une copro, pouvoir l'adapter dans la suivante, etc. et se nourrir de chaque expérience dans chaque copro. Donc on avait trois copros dans trois arrondissements différents, une dans le 14e, une dans le 20e et une dans le 11e. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles avaient différents profils. Donc la première copro dans le 4e, elle, c'était une copro des 30 Glorieuses, avec 170 lots, donc une assez grande copropriété et qui comportait une majorité de locataires. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'était une copro qui avait déjà été accompagnée par l'Agence parisienne du climat pour faire une rénovation énergétique globale qui a été aboutie en 2022. Donc eux, ils avaient justement ce questionnement de, une fois que la rénovation était faite, bah, leur,
leurs objectifs n'étaient pas forcément complètement atteints parce que potentiellement les usages qu'en faisaient les habitants n'étaient pas à la hauteur de ce qu'avait prévu l'étude de rénovation. Donc dans un deuxième temps, la copro du 20e, là ici on était sur un type de bâtiment faubourien avec 80 lots et une majorité de propriétaires occupants parce que aussi dans un quartier plus populaire. Et ici, on était sur un DTG en cours et avec un bâtiment qui était globalement une passoire thermique et donc il y avait un vrai besoin aussi de travailler sur les usages en attendant que potentiellement un projet de rénovation puisse aboutir. Dans la dernière copro, dans le 11e, ici on est sur un bâtiment d'habitat bon marché, environ 80 lots aussi, mais ici plutôt des propriétaires occupants et des foyers plutôt aisés. Et aussi, comme la précédente, dans un DTG en cours pour résoudre leurs problèmes thermiques. Donc, je vais vous dérouler un peu comment on a réalisé cette démarche concrètement. Donc, à chaque fois, on a commencé dans chaque copro par mettre en place une enquête préliminaire pour communiquer un peu sur l'expérimentation qui allait se dérouler dans leur copropriété et essayer de commencer à sonder quel était le vécu des habitants dans l'immeuble. Dans les deux premières copropriétés, on a plutôt travaillé sur un système de flyers avec un questionnaire intégré à retourner. Et dans la dernière copropriété, la troisième du 11e arrondissement, ici, on a eu une stratégie un peu différente parce qu'on travaillait beaucoup plus en lien avec les habitants qu'avec le conseil syndical. Donc, on a tout de suite essayé d'intégrer une boîte à idées qui venait compléter les premières idées qui avaient été générées dans une réunion collective avec les habitants. Tout ça nous a permis, dans un second temps, à chaque fois, d'aboutir à une cartographie des problématiques et des envies qu'avaient soulevé les habitants. Et cette cartographie, qui avait donc été générée dans un premier lieu par les enquêtes préliminaires via les questionnaires et les boîtes à idées, qui ensuite sont venues être rediscutées, redébattues lors de réunions publiques avec les habitants, pour compléter, pour communiquer sur ce qui avait été dit, pour voir s'il y avait des consensus ou au contraire des conflits sur certains sujets. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que finalement, dans les trois copropriétés, il y avait des envies assez similaires, et en tout cas des thématiques fortes qui étaient similaires dans les trois profils, qui étaient notamment la question des déchets, la question du confort thermique, et la question plus des aménagements communs et de la convivialité pour mutualiser des choses aussi au sein de l'immeuble. Donc voilà, par contre, même s'il y avait ces thématiques communes dans les trois copropriétés, il y avait à chaque fois des échelles de réponse assez différentes, parce que les contraintes de chaque copropriété étaient différentes en termes spatial ou même financier ou humain. Enfin, il n'y avait pas forcément le même engouement possible, donc le même impact possible dans chaque copropriété. Ensuite, on est venu essayer de rediscuter de tout ça en organisant un atelier de réflexion participative qui invitait les habitants à... Je suis vraiment désolée pour le bruit, j'espère que vous entendez bien. Donc le but, c'était de repartir de cette cartographie des premières envies et idées qui avaient été générées pour venir essayer de les trier, de les adapter, de les compléter pour vraiment les adapter aux contraintes réelles du bâtiment et finalement aboutir à un plan d'action pour les prochains mois. Un plan d'action qui se divisait en deux parties, donc une partie que les habitants pourraient mener en autonomie et sinon une partie sur laquelle il y avait besoin d'un accompagnement, soit par l'APC via moi, soit via d'autres structures vers lesquelles on pourrait les réorienter. Donc, on a essayé de mettre en place autant que possible les choses qui étaient faisables dans l'échelle de temps qu'on avait pour l'expérimentation et de les accompagner pour mener à bien ce plan d'action aussi loin que possible. Une des premières choses assez marquantes dans toutes les copros, c'était ce constat que la fête des voisins n'avait plus lieu. C'était vraiment une tradition qui se perd et qui, en fait, est la clé de la convivialité, en tout cas une première brique de convivialité en collectivité. Donc, à chaque fois, on est venu essayer de réinstaurer ça pour faire en sorte que les gens se parlent, et c'était à chaque fois une réussite. Ensuite, on a mis en place des groupes WhatsApp ou Facebook, en tout cas des groupes de discussion pour essayer d'activer un peu ce sentiment d'appartenance à une communauté qui est assez rare en copropriété, parce que ça reste souvent, comme disait tout à l'heure les premiers intervenants,
y a une notion de gestion en commun, mais pas forcément de vie en commun. Donc là, ça permettait d'utiliser ces outils-là pour déjà discuter, se rencontrer, mais aussi potentiellement activer une première part de mutualisation, de prêt d'équipement, de solidarité aussi entre voisins. On a mené aussi, bon, là je vous fais un retour non chronologique sur toutes les actions qu'on a pu mettre en place, c'est plus pour vous donner un ordre d'idée sur les sujets qu'on a travaillés. On a mené aussi donc des enquêtes plus spécialisées sur le confort thermique, notamment dans le bâtiment du 14e arrondissement, qui était intéressant parce que c'est donc le bâtiment où il y avait déjà eu une rénovation thermique. Donc le but, c'était de voir comment ça avait influé sur leur confort. Et on pouvait voir ici que même si en hiver, il y a eu une vraie amélioration, pour le coup, en été, ce n'était pas forcément mieux, voire potentiellement, c'était pire parce que les comportements des habitants n'étaient pas forcément adaptés à cette nouvelle isolation. Et du coup, il y avait l'effet inverse, qui est l'effet de bouilloire thermique, parce que le bâtiment est trop étanche et donc conserve la chaleur si on n'a pas les comportements adaptés pour faire évacuer et ventiler cette chaleur. Voilà. Un autre point d'enquête qu'on a pu mener, c'était sur les vélos, un sujet qui était assez redondant dans toutes les copros. Et donc ici, dans le 14e aussi, on a travaillé sur essayer de comprendre comment les habitants utilisaient les locaux vélos existants qui étaient assez surchargés pour voir comment on pouvait mieux dimensionner des nouveaux locaux potentiellement. S'il y avait un intérêt pour créer des nouveaux locaux, comment faudrait les dimensionner et vers quel emplacement les tourner. Voilà, essayer de faire un peu cet accompagnement à la maîtrise d'usage pour les aider à ne pas dépenser pour rien et à faire quelque chose qui corresponde aux envies des habitants. Donc, je reste sur ce sujet du vélo. Donc, dans le 14e, finalement, on a mené quelque chose d'assez simple qui était déjà réaménager les locaux existants en mettant en place un système d'étiquetage des vélos qui étaient en fonction et une purge de ceux qui étaient plutôt des vélos épaves qui traînaient là depuis longtemps et qui encombraient les locaux. Donc, c'est finalement la seule action qui a été menée dans le 14e parce qu'ensuite, on les a réorientés vers le dispositif Alvéol Plus, qui est un dispositif pour accompagner et financer une partie d'aménagement de nouveaux locaux vélos. Et ici, il y a des propositions qui leur ont été faites, mais qui étaient assez démesurées en termes financiers par rapport au nombre de places que ça pouvait créer, donc ça a été assez vite coté. Mais déjà, le réaménagement de leurs locaux existants a été une première réussite pour eux. Et toujours sur le sujet des vélos, dans le 11e, quelque chose d'autre qu'on a pu mener qui était intéressant, c'est qu'eux, ils avaient déjà des projets un projet de chantier participatif pour aménager et fabriquer ensemble un abri à vélo dans leur cour, mais ils n'arrivaient pas à le mettre en place. Ça faisait des années que ça avait été mis en place, que ça avait été voté, budgétisé, mais ils ne trouvaient pas d'artisans qui puissent leur faire cet accompagnement-là. Donc là, on les a réorientés vers le collectif La Facto, qui est un collectif qui fait des chantiers participatifs, mais c'est la première fois qu'ils travaillent avec une copropriété. Donc là, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est en cours de réalisation et de régularisation aussi auprès de la mairie de Paris pour pouvoir le mettre en place. Donc ça devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chantier participatif va pouvoir permettre à la fois de faire ce partage de savoir, mais aussi de créer une convivialité intéressante au sein de l'immeuble qui pourra améliorer les choses, déjà en termes de convivialité, mais aussi donc en termes de facilitation à l'accès à une mobilité douce. Ensuite, il y a d'autres sujets qu'on a travaillés dans des ateliers pédagogiques, notamment. Un premier sujet, c'était le confort thermique et la sobriété. On en a mené un premier dans la copro du 14e, sur le confort d'hiver à ce moment-là. Là, on était sur un format plus dans un couloir, réunir des gens et parler de ces sujets sur trois axes. Déjà, essayer de leur faire comprendre les facteurs du ressenti de froid à l'échelle du corps pour visualiser aussi, dans un second temps, quels impacts énergétiques avait eu la rénovation. Mais aussi quels impacts avaient leur comportement individuel sur leurs dépenses énergétiques. Et dans un dernier temps, essayer de les amener vers des solutions adaptées pour faire des économies sans pour autant sacrifier leur confort. Donc voilà, essayer d'avoir une approche assez globale sur ce sujet de confort d'hiver.
Sur le confort d'été aussi, on a travaillé ici dans la copro du 11e. Pareil, un atelier pour le coup là, plus en huis clos avec des participants de l'immeuble, tout statut confondu. Où ici, le but, c'était effectivement de comprendre les facteurs de la surchauffe à l'échelle du corps, du logement, puis de la ville, pour bien comprendre d'où ça venait cet impact-là. Et ensuite, essayer de trouver des solutions pour s'en préserver chez soi, mais aussi à l'échelle de la copro. Par exemple, essayer de mutualiser des espaces frais, comme la salle du conseil syndical qu'ils avaient, pour faire une zone fraîche pour les personnes qui ne pourraient pas rester chez eux parce que la chaleur serait insupportable, ou aménager plus la cour qui est ombragée pour que les gens puissent s'y retrouver aussi en été, ce genre de choses qui pourraient être mises en place à l'échelle de la copro. Dans les deux cas, on a mené aussi des campagnes de sensibilisation passives, c'est-à-dire des campagnes d'affichage qui reprenaient le contenu des ateliers. Donc ici, trois affiches qui reprenaient point par point tout ce qu'on s'était dit en atelier pour que les gens qui n'étaient pas venus puissent aussi accéder à cette information. Également sur la copro du 11e, la même chose sur le sujet du confort d'été. Ensuite, un autre point qu'on a travaillé en atelier pédagogique, c'était la question des déchets. Pareil, sujet récurrent dans toutes les copros, parce que grosse incompréhension de la part des habitants sur les consignes de tri, sur l'intérêt de trier et les impacts qu'ont nos comportements face aux déchets. Donc pareil, atelier pédagogique pour faire de l'éducation populaire sur tout ça, leur faire comprendre les impacts de leur consommation, le gaspillage que ça engendrait, et essayer d'outiller un peu les changements de comportement grâce à des serious games sur le tri des déchets. Donc là, pareil, très bonne réception des habitants, il y a eu des vraies prises de conscience sur ces sujets-là. Et encore une fois, on est venu mettre en place des affiches pour participer à faire cette sensibilisation auprès des gens qui n'étaient pas venus en atelier. Ici, sur le sujet des déchets, on a mis en place aussi plein d'autres dispositifs pour essayer d'outiller ces changements de comportement, notamment une cartographie des lieux ressources du quartier où les habitants pourraient savoir où donner ou acheter des choses d'occasion, savoir comment valoriser mieux leurs déchets organiques ou leurs encombrants, savoir aussi des endroits intéressants pour aller réparer, bricoler, fabriquer des choses eux-mêmes. Des endroits pour acheter zéro déchet, des tiers-lieux, etc., où ils pourraient aussi venir expérimenter des choses. Donc c'est pareil, une cartographie qui a été créée en concertation avec les habitants pour partager leurs bonnes adresses et qui est restée affichée dans les couloirs. Une autre chose qu'on a mis en place, c'est une armoire à dons. Pour faire en sorte que les choses soient valorisées déjà en premier lieu au sein de l'immeuble pour créer un peu de lien entre les gens et que dans un second temps, si jamais ça ne part pas dans l'immeuble, ce soit apporté dans une ressourcerie locale et donc comme ça venir enclencher des réflexes pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de faire ça. Ça qui était complété, du coup, cette mise en place d'une armoire à dons a été complétée par des notices d'usage pour encadrer un peu comment ça se passe et que les gens ne mettent pas n'importe quoi, et complété par des bonnes pratiques de gestion d'encombrants qui ne pourraient pas rentrer dans l'armoire parce que trop gros ou périssable ou X raisons. On a aussi complété cette action par le réaffichage des consignes de tri qui n'étaient pas claires pour tout le monde, et aussi la diffusion d'outils de suivi individualisés pour essayer de comprendre, pour ceux qui le voudraient, sur quels facteurs ils pourraient jouer chez eux pour baisser leurs déchets ou baisser leurs achats pas forcément utiles. Donc aussi des outils pour encore une fois venir jouer sur les comportements individuels. Donc voilà, je vous ai fait un très très rapide résumé des actions qu'on a mises en place, en tout cas du point de vue de la PC, dans les appartements, dans les copropriétés, je veux dire. Mais il y a aussi des petites actions qui ont eu lieu en autonomie et qui continueront en autonomie, comme on a vu dans les plans d'action. Il y a plein de choses qui vont être mises en place par les habitants eux-mêmes et sur laquelle on n'a pas forcément la main, mais on sait que, enfin, on les a accompagnés pour réfléchir à ces idées-là.
Donc, des choses qui vont aussi de l'ordre de la convivialité, mais aussi de la sobriété. Essayer de mettre en place des systèmes, par exemple, de mutualisation de services de ménage ou de garde d'enfants. Réfléchir à mieux aménager les cours intérieurs pour plus de convivialité, ce genre de choses qui seront mises en autonomie aussi. Ou mettre en place, effectivement, des bacs à plantes avec des aromates partagés. Enfin, plein de petites choses comme ça où il n'y a pas forcément besoin d'accompagnement. Et au contraire aussi des choses sur du plus long terme, comme des projets de végétalisation vers lesquels certaines copropriétés veulent être accompagnées par l'Agence parisienne du climat et leur dispositif Alvéole+, ou alors la mise en place de compost collectif accompagné par la mairie de Paris, ce genre de choses. Donc c'est toutes ces choses vers lesquelles on les a réorientées et qui pourront être mises en place dans le futur. Donc là, je vais vous faire aussi un rapide bilan de tout ça, une prise de recul que nous, on en garde. Déjà, sur les freins qu'on a pu observer, c'est que vraiment, il y a une vraie difficulté sur les temporalités individuelles et collectives qui sont très difficiles à faire converger. Il y a un vrai manque de disponibilité et de participation des habitants qui est normal parce que, vivant dans une ville dense, on a tous des activités déjà très chargées à côté et c'est difficile vraiment de mobiliser les gens sur ces sujets. C'est pour ça que l'entrée par la convivialité est une première brique et quand bien même on a finalement assez peu travaillé la sobriété en finesse, tout ce qu'on a mis en place, c'était déjà pour activer la convivialité. Donc, ce qui permettra pour plus tard de mettre en place plus de choses en autonomie sur la sobriété individuelle et collective. Un autre frein, c'est que finalement, à chaque fois, on est passé par les conseils syndicaux, ce qui est finalement important parce que sinon, ça peut devenir bloquant parce qu'il y a ces systèmes de gestion plutôt verticaux qui pourraient freiner si jamais, qui ont freiné dans certains cas, certaines prises de décision. Mais pour autant, cette entrée par les conseils syndicaux, on s'aperçoit que c'est souvent aussi très codifié. Et ça bride un peu les initiatives qui pourraient émerger de la part des habitants et qui sont des initiatives qui, en fait, tout ce qu'on a essayé de travailler, ce qui est intéressant, c'est que ça ne nécessite en aucun point des décisions du conseil syndical et des budgétisations fortes. Donc, en fait, c'est des choses qui pourraient être mises en place par les habitants eux-mêmes. Et donc, voilà, cette entrée par les conseils syndicaux n'est pas toujours forcément extrêmement stratégique, même si très souvent indispensable. Voilà, c'est une des observations qu'on a faites. Le dernier gros frein principal, on en a parlé aussi tout à l'heure avec les précédents intervenants, c'est ce facteur humain qu'il faut prendre en compte parce qu'on a été confronté plusieurs fois à des clivages assez forts politiquement et idéologiquement qu'il faut désamorcer à chaque fois pour avancer. Mais aussi des habitudes, des biais cognitifs assez forts à déconstruire. Une peur du changement, du climato-scepticisme, ces choses sur lesquelles on rencontre toujours des gens en copropriété qui ont ces biais-là, et ce n'est pas une critique, c'est un fait, et c'est largement compréhensible, mais donc c'est des vrais facteurs sur lesquels il faut travailler pour arriver à quelque chose, et c'est pour ça aussi que finalement, en un an de travail dans les copropriétés, ça reste assez... en surface, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler et ça ne peut pas se changer du jour au lendemain, ce travail comportemental. Pour autant, si on parle des leviers qu'on a pu observer, c'est que là, si on a affaire plutôt à des personnes retraitées comme personnes motrices, c'est vraiment gage d'une grande disponibilité et ça peut être des vraies personnes ressources sur lesquelles s'appuyer. Et d'un autre côté, si on est sur des actifs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sera aussi sur des gens beaucoup plus motivés, qui auront une vraie volonté et une vraie compréhension alignée avec celle qu'on pouvait avoir sur ce que sont les enjeux de sobriété, parce que du coup, des profils de gens peut-être plus alertes sur les enjeux actuels. Un autre levier, c'était vraiment le travail de communication qu'on a pu mettre en place, qui est en fait extrêmement clé pour engager une mobilisation des habitants. Donc, c'est-à-dire les groupes de discussion, les affiches, les flyers, tous ces éléments qui ont permis d'activer une communication au sein de l'immeuble qui n'avait pas du tout lieu avant.
et qui, dans le cas des copros du 11e et du 20e, a aussi permis de les aider dans leur DTG pour pouvoir mieux communiquer et mieux accompagner les habitants pendant le diagnostic. Un dernier levier qu'on peut observer, c'est que, comme je viens de le dire, finalement, cette cohésion sociale, cette convivialité qu'on a essayé de mettre en place, pour nous, c'est déjà vraiment une première victoire vers la sobriété collective. Et c'est cette force du groupe qui va pouvoir amener la collectivité à passer à l'action. Donc voilà, c'est des choses qui, pour la suite, seront vraiment bénéfiques pour nous. Et même si on pourrait aller tellement plus loin, voilà, il faudrait voir ça sur le temps long. Et pour finir, quelques enseignements qu'on en retient, c'est que finalement, on a été confronté à des moments à des réticences dans une certaine copropriété parce qu'on avait fait le travail un peu à l'envers de venir leur proposer notre projet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait fonctionner dans l'autre sens. Il fallait que ce soit eux qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils avaient un besoin, une envie préexistante de travailler sur ces sujets. Et donc, ce qu'on en conclut, c'est que vraiment, cette volonté de changement, elle doit d'abord venir des individus, des groupes. Elle peut en aucun cas être imposée. Elle peut simplement être accompagnée, outillée. Et c'est ce qu'on a travaillé plus en finesse dans les deux dernières copropriétés que je vous ai présentées. Ensuite, un deuxième enseignement assez fort, c'est que à chaque fois, chaque copropriété, chaque communauté d'habitants est unique, évidemment. Et donc, il faut vraiment s'adapter au cas par cas, à chaque étape. Et c'est en ça que cette méthode d'accompagnement qu'on a construite, il y a en gros quelques bribes, quelques étapes qui sont similaires, mais le contenu, le détail est à chaque fois rediscuté avec les acteurs dans l'éco-pro pour vraiment faire du cas par cas. Et le dernier point d'enseignement, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les temporalités d'accompagnement qui doivent être adaptées à chaque fois. Parce qu'on fait face à des cheminements à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout s'accélère et d'autres moments où il y a des grandes latences. Donc c'était en ça que c'était intéressant de travailler aussi avec trois copropriétés pour assumer un peu ces différences de vitesse. Aussi sur la question de la temporalité, le fait que du coup, à chaque fois, on était obligé d'être dépendant des temps de disponibilité des habitants, qui sont finalement plutôt le week-end et en soirée, donc ce qui ne comprend pas forcément des temps de bureau classiques. Mais c'est en ça aussi que cette démarche expérimentale était intéressante, c'était de tabler sur une adaptabilité totale à chaque fois et à la demande des habitants autant que possible. Et finalement aussi, encore sur cette temporalité, cette question de la temporalité, il faut faire face à chaque fois à cette double inertie, donc, qui est l'inertie de la gestion en copro. Comme je vous le disais, une copro, ça met des années à mettre en place un tout petit changement, mais aussi cette inertie du changement individuel en lui-même. On ne peut pas du jour au lendemain devenir irréprochable sur les éco-gestes. Il faut déjà prendre le temps de la prise de conscience et ensuite le temps du passage à l'acte et le temps de la prise d'habitude de ce passage à l'acte. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Et pour dire que cette première année d'expérimentation n'est que le début de quelque chose et on est en train de travailler à la suite à voir comment tout ça va se décliner dans d'autres formats, comment ça peut vivre au-delà de cette année d'expérimentation. Donc je vais m'arrêter là parce que le temps enfile, mais on pourra en discuter plus tard. Merci beaucoup, Andréane. Alors, passionnant également. Est-ce qu'intéressant, là, je vois, entre un immeuble neuf et puis effectivement des immeubles existants, ça fait deux démarches qui sont intéressantes, qui sont abordées de manière différente, mais qui donnent à voir vraiment des expérimentations, des idées, des innovations qui vont nourrir là, qui vont bien nous nourrir. Je propose de passer immédiatement à la présentation de David Leguide de Watt Park. Alors, on est en retard, effectivement, j'ai laissé filer le temps, donc je pense qu'on finira plus tard que midi pile. On peut aller de toute façon jusqu'à midi et demi. Est-ce que, David, vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez une présentation PowerPoint? Je vois que vous êtes connecté, mais je ne vous vois ni ne vous entends. Et là ou pas ? Ah, j'entends une toute petite voix.
Alors là, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en présentateur. On est là ou pas? On entend vraiment très très faiblement. Il n'y a pas du tout. Je viens remplacer quelqu'un qui devait. Là, je vous vois. Oui. Je vous entends pas, mais je vous vois. Je sais que vous parlez. Je ne sais pas comment faire pour que vous m'entendiez mieux. Peut-être monter le son, peut-être sur votre. Je vais essayer de prendre un micro. Oui. Donc, pour les présentateurs précédents, n'hésitez pas à répondre aussi directement dans la section conversation et la section Q et R aux questions. OK. Est-ce que ça fonctionne du coup? J'essaie de faire autrement. Là, je vous entends mieux. Vous m'entendez mieux là? Oui. Alors, sinon, j'essayais de passer sur le téléphone et en gardant la connexion ici. Vous m'entendez là ou bien? Hop, je vais quand même faire ça. Moi, j'entends très bien, moi. Et là, on n'entend plus. Le micro est éteint. Alors, bonjour, je vais essayer de retrouver Parfait. Un petit peu d'aspect technique. Alors, Wet Park, je ne sais pas si déjà vous savez de quoi il s'agit. Nous sommes dans l'infrastructure de recharge de proximité. Nous avons créé cette société il y a 5 ans, investi plus de 5 millions d'euros. Créer une solution française, technologique et industrielle. On a eu des soutiens de la région, de l'État, de Los Angeles. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était d'anticiper tous les besoins de l'infrastructure de recharge liés à la mobilité électrique. Et toutes les conséquences sur le bâtiment et sur le réseau, puisque on cherche à baisser les consommations des bâtiments et du réseau, et la voiture électrique est une contrainte qui va dans l'autre sens, qui vient prendre de l'énergie. Il va falloir qu'on arrive à concilier deux. J'essaie de vous sortir. On a réussi, malgré la situation en France très compliquée. Et une industrialisation d'un produit comme ça. On a plus de 800 installations maintenant. Et en fait, notre système permet de faire des bornes collaboratives, c'est-à-dire que même privées ou publiques, elles sont toutes partageables. À la connecter. Je n'arrive pas à la partie. Là, on vous entend plus.
n'entend plus rien, David. Là, on voit la présentation. Oui. D'accord. Alors, vous entendez ou pas? Oui. Très bien. Donc, Webpark, c'est une équipe aujourd'hui de 10 personnes. On a tout conçu. L'électronique embarquée, tous les éléments mécaniques, tous les éléments de protocole de communication, les connexions avec ce qu'on appelle l'OCPP, c'est-à-dire le universel. Toute personne qui a une voiture électrique avec ses cartes de connexion, la charge map, pour certains qui connaissent, parle. Pour les autres, c'est simplement en fait comment accéder à l'espace public. Pareil pour les cartes bleues. Donc elle est universelle et elle a une particularité, c'est qu'elle vise à être vraiment dédié aux copropriétés, au parking public, pour le quotidien. Que jusqu'à présent, vous avez vu les véhicules électriques se développer, vous avez vu des superchargeurs partout sur le territoire, notamment sur tous les axes autoroutiers, certains centres-villes. Et maintenant, l'enjeu, c'est chacun doit avoir une borne. Et le but de notre démarche, c'est justement que chacun ait accès à une borne, pas forcément sa borne. Et donc, là, dans pas mal de points de charge, nous avons 800 points de charge, eh bien, ces bornes sont partagées et partageables, que ce soit sur un espace privé ou sur un espace avec nos protocoles ou avec les protocoles OCPP, obligatoires en espace public. Et l'idée, c'est que nous avons intégré depuis le départ toutes les fonctions contrôle de l'énergie, éviter de créer des pics supplémentaires, faire en sorte que les investissements soient le plus raisonnable possible. Or, la borne en prime à 100 euros hors taxe avant certaines primes. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde n'est pas équipé aujourd'hui en véhicule électrique. Là, que 4 à 5% du marché actuellement roulant en électrique. Et l'enjeu va être de passer à 10, 15, 20, 30% de gens, que ce soit les entreprises étrangères ou les particuliers, en véhicule électrique. Et là, c'est une explosion de la demande en énergie qui va peser sur tous les bâtiments. Ça doit s'anticiper, c'était le but de ce projet. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous démontrons. On fait des levées de fonds, et des fonds d'investissement. Un an qui est très fatigant, qui ralentit. Mais voilà, donc le projet est potentiellement international. Donc aujourd'hui, on a des exemples très concrets dans des parkings, dans des copropriétés, dans des hôtels, par exemple pour les châteaux, à la préfecture. Et donc on a des solutions quasiment à tous les besoins de sécurité et de recharge des véhicules. Le système fonctionne avec une application, ou avec un badge RFID, ou avec sa carte OCPP, soit privé, soit partagé avec quelques personnes, de faire varier le prix. Par exemple, au niveau du prix, on a imaginé, et on est en train de le tester, qu'une mairie peut effectivement décider d'avoir un prix particulier pour l'accès à ces bornes, ceux qui habitent le quartier. Par exemple, clairement à Bilib, pour lequel bah, même moi j'ai une voiture électrique, je n'y vais plus. C'est beaucoup trop cher. Donc, un tarif pour les gens qui habitent dans le coin, qui veulent se garer la nuit sereinement sans être obligé d'aller à 2h du matin pour éviter d'être taxé. Heure. Acceptable. Et par contre, pour les autres, passage, ben, un tarif un petit peu
rentable, de façon à ce que, grosso modo, l'infrastructure de charge devienne rentable. Donc, ça, c'est le côté utilisation de l'énergie. On va jusqu'à 22 kW. On estime qu'en rang alternatif, ça ne change pas les infrastructures, ça permet de gérer. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le besoin réel de recharge sur un véhicule électrique est très faible. C'est toujours 35 à 50 km maximum par jour. Et donc, en fait, il faut à peine une demi-heure, une heure pour charger avec une telle puissance. Donc, la question, c'est comme on dort, on mange, on travaille, c'est comment on fait pour faire en sorte que lorsque je me branche, je ne sois pas forcément chargé. Ça veut dire laisser la main à l'opérateur, de façon à ce que derrière, en fait, on soit également en lien avec les pics et contrôles d'énergie du bâtiment. Là, on est en lien avec une spécialiste qui gère l'ensemble des bâtiments, avec la GTB, avec la supervision énergétique, et faire en sorte qu'on va utiliser la recharge de la batterie au moment où il y a des panneaux solaires, il y a l'énergie solaire, au moment où, s'il n'y a pas tout ça, en heure creuse, en hyper heure creuse, on va le plus indolore possible. Donc, une sorte de responsabilité sur le management de l'énergie, des bâtiments et des réseaux. Tout ça est opérationnel. L'idée maintenant, c'est un déploiement beaucoup plus massif, notamment en milieu rural. Là, on a eu des cas plus urbains. Donc, on a deux cas d'école qu'on a développés, le milieu rural et le milieu hyper-urbain. Ça donne. Donc, on a ici un système qui fonctionne par application, mais il fonctionne aussi en RFID. Et en gros, c'est très simple. Repérer la borne, que encore une fois, hein, que ce soit dans l'espace privé ou public, ça n'a pas d'importance, et vous le louez. La particularité, c'est que ici, tous les prix sont gérables, ils sont fixés par le propriétaire, donc évidemment, on oriente, un peu comme dans le monde Airbnb, pas bonne presse forcément. Mais voilà, l'idée, c'est que on évite à l'espace public et à la fonds d'État encore d'intervenir sur la mobilité électrique, sur l'infrastructure. Et on essaie de faire en sorte que le privé joue aussi son rôle. Il en a besoin, mais il peut également faire en sorte qu'il n'en a pas besoin tout le temps. Là, aujourd'hui, je suis en rendez-vous, je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas besoin de charge. Il est donc disponible. C'est vraiment ce principe-là. Je pars en vacances une semaine, mon espace est disponible et je n'ai pas besoin d'être sur place. Ça a été un peu copié par Renault. D'ailleurs, c'était marrant que BFM, notre toute petite société microscopique avec le projet de Renault. Mais le principe de Renault, c'est qu'ils n'ont pas pu aller sur notre concept parce qu'on a breveté. Il y a des brevets européens et chinois. Et en fait, c'est aujourd'hui très contraignant. En fait, c'est une solution qu'on estime, nous, tout de suite, et qui va être extrêmement utile pour demain, notamment sur la souveraineté des données. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand on charge, je sais qui vous êtes, je sais où vous êtes, combien de temps vous y restez, votre véhicule, j'ai accès à vos cartes bleues ou couleurs. Donc, on parle de données extrêmement sensibles. Je sais consommer en énergie. Voilà. Donc, on a des informations également sur l'état de santé de votre voiture. Le fonctionnement erratique, par exemple, d'une charge et le signe d'un problème de batterie. On a tout un tas d'éléments qu'on est en train de sortir avec une big data scientist qui devra, avec la masse des données, permettre d'améliorer cette mobilité. Par rapport à l'expérience aujourd'hui, on va dire que les 700 à 800 installations, parce qu'il y a des installations vraiment privées, commencent à peine à avoir reconnaissance des fonctionnements et des besoins. Et là, on est sur un déploiement programmé à 10 000 unités fabriquées en France, à Bordeaux. On a une logique aujourd'hui de déploiement ensemble du territoire et on a une logique de gamme également, puisqu'on va sortir des bornes avec des câbles, parce que certains qui s'énervent de sortir leurs câbles tout le temps, c'est une solution aussi. Il y a des questions.
J'ai entendu votre dernière phrase, pardon, excusez-moi. Je suis désolé pour le son. Oui. Je pense présenter le principal parce qu'après, j'ai d'autres slides, mais qui sont plutôt redondants, beaucoup trop précis techniquement. On a bien. D'accord. Maintenant, mais merci beaucoup, David. Donc, si moi j'ai par exemple une borne de recharge, il suffit que j'aille me faire connaître auprès de Wattpark pour pouvoir la mettre à disposition de manière collaborative avec d'autres personnes. C'est exactement ça. Donc, en fait, je n'ai pas évoqué la réglementation, mais on est en phase avec deux réglementations très contraignantes. La loi LOM, orientation mobilité, qui oblige tous les parkings, plus de 20 places, à s'équiper en infrastructure de recharge. Donc, tout de suite, on a tous les professionnels, les hôtels, les parkings de centres commerciaux, etc., qui sont tous déjà un peu équipés, mais qui vont devoir s'équiper beaucoup. On a une deuxième loi qui est tombée, qui est la loi APER, l'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable, donc, et notamment avec les ombrières de parking. Et donc là, en fait, il y a des gros enjeux. Profiter de cette loi pour installer des infrastructures en plus des panneaux solaires pour générer une mobilité vraiment verte. Donc oui, aujourd'hui, en fait, on est plutôt orienté B2B parce qu'on estime que le besoin prioritaire, c'est les petites collectivités ou des quartiers ou des copropriétés ou des bailleurs sociaux. Un vrai modèle économique très différent de ce qui se fait aujourd'hui puisqu'on n'est pas du tout vendeur de bornes, on fabrique la borne, on n'a pas eu le choix. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt partage. Et l'utilisation optimisée de la mobilité électrique et de la recharge. Voilà, il y a de gros enjeux et on est plutôt en recherche aujourd'hui de partenaires, de type bailleurs sociaux, de type promoteurs qui ont ces soucis-là. Voilà. Dernier point, si je peux me permettre, mais c'est pas pour l'instant, on vient à peine de le démontrer, avec l'aide de la région Île-de-France d'ailleurs, c'est qu'on a réussi à hybrider le système de connexion. Donc, à renforcer la sécurité de charge. J'explique. Ceux qui ont des véhicules électriques, ils sont souvent tombés face à des bornes qui ne les reconnaissaient pas, qui n'arrivaient pas à charger. Et c'est très stressant quand on a un véhicule électrique et qu'on ne va pas se charger. Et en gros, on a nous diagnostiqué le problème qui vient de la télécom. Et on a donc réglé et trouvé une solution qui permet en fait de fiabiliser à 95%, 97%. Les bornes comptent aujourd'hui 80. D'accord. Pas beaucoup, mais ça change la vie quand vous avez presque plus de batterie et que vous chargez. Bien. Ben, merci beaucoup, David. Ce que je propose, c'est s'il y a des questions, qu'elles se fassent dans la conversation. Et vu que le temps a vraiment beaucoup filé, mais là, on va continuer un petit peu plus longtemps. Et je vais passer la parole à mes collègues Anne-Claire, Lucille et Nicolas pour la présentation d'un medley de retour d'expérience. Lucille, je te laisse partager le... Ouais. C'est bon comme ça ? Ouais. Peut-être ouais. Tu peux le mettre en... Oui, on est en plein écran, c'est bon. Vous êtes bien, ok. Oui, bonjour. Bah, du coup, c'est moi qui démarre, pardon. En fait, on voulait évoquer avec Anne-Claire et Nicolas. Alors, je ne sais pas, Nicolas, en fait, est dans le coin, mais c'est vrai que je ne sais pas si Nicolas va intervenir ou souhaite intervenir. On voulait vous parler d'un cahier qu'on a coordonné avec donc Anne-Claire et Nicolas sur les initiatives citoyennes et le lien avec l'action publique, comment ces collectifs dialoguent avec l'action publique. Et on a voulu en fait faire ce cahier pour parler notamment de ces citoyens qui décident de fabriquer collectivement des réponses concrètes à leurs besoins. Donc on parle d'innovation sociale. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir ce que révèlent ces initiatives en matière d'envie d'implication, d'autonomie, d'efficacité, ce que ça dit aussi de l'impatience de ces collectifs vis-à-vis d'une action publique ou des institutions qui peut-être tarderaient à agir en lien
notamment avec l'urgence climatique. Ce que ça dit aussi du besoin de démocratiser les savoirs, ce que ça dit du besoin d'agir concrètement dans la proximité, ce que ça dit aussi de vouloir vivre une expérience particulière de la citoyenneté, etc., etc. On a voulu voir ensuite ce que produisaient ces initiatives dans leur réalité, dans leur ancrage justement au territoire, dans la proximité, et en même temps hyper connectés, hein, pas seulement ancrés dans la proximité, hyper connectés aussi avec d'autres initiatives plus loin. Également Anne-Claire, ensuite je te laisse poursuivre sur le l'intro. Oui, donc nous dans la question, quand on a élaboré le cahier, on est allé voir vraiment pas mal d'initiatives, et puis on s'est aussi posé des questions sur les risques parfois qu'elles pouvaient générer, parce que Lucille l'a dit, ça va avec aussi parfois une sorte de défiance avec les institutions, une impression que l'action publique ne pourra pas aller assez loin, et du coup il y a une sorte de méfiance, voilà, qui s'installe, et on a vu dans les initiatives qu'on a rencontrées qu'il y avait aussi une difficulté à rester coopérative, c'est-à-dire qu'on est souvent sur une impulsion collective citoyenne au départ qui se structure de manière assez coopérative, assez peu formelle, et un des risques c'est qu'elles s'institutionnalisent, qu'elles aient du mal à rester ouvertes à tous, qu'elles commencent à faire des formes d'entre-soi. Et donc c'est un des enjeux du dialogue avec l'action publique, de voir comment on peut s'appuyer sur cette énergie, sur ces envies de faire, mais les accompagner pour qu'elles aient un vrai pouvoir d'action, qu'elles restent coopératives, qu'elles soient un vrai levier d'innovation sociale, sans les étouffer, sans trop les institutionnaliser ou sans les pousser très vite vers des formes marchandes. Donc on verra ensuite dans les exemples qu'on a choisi de vous présenter un peu ces tensions qu'il y a entre une vraie capacité de faire, mais des risques dans leur mise en œuvre au cours de leur installation dans le temps. Alors, on a voulu vous parler en fait d'un article de Caroline Galèze qui s'appelle « Derrière l'écologie, la quête de lien social », qui part d'une étude en fait qu'elle a voulu faire sur Est Ensemble, destinée à recenser des initiatives contribuant à la transition énergétique. Et finalement, elle a fait le constat que quelques initiatives étaient explicitement centrées sur l'énergie, mais que la plupart des initiatives qui participaient à une forme de sobriété avaient d'autres objectifs à affirmer. Alors, il s'est aperçu déjà que c'était assez difficile de faire ce recensement en raison de la diversité des formes, en raison de la diversité des statuts, de la manière aussi dont les collectifs publicisent ou non leur activité, et que finalement ce travail de recensement, il a permis de révéler des initiatives qui sont indirectement porteuses de sobriété énergétique, parce que en lien avec plutôt l'allongement de la durée de vie des objets, typiquement les ateliers d'auto-réparation, parce que recyclage des matériaux, parce que relocalisation de la production alimentaire, parce que échange de biens et de services à l'image des selles, parce que logement partagé, espace mutualisé, etc. Et finalement, beaucoup plus d'initiatives pour lesquelles l'enjeu écologique et la question de l'énergie ne sont pas réellement citées comme des motivations premières. Et ce qu'elle a révélé aussi, c'est que les points communs de ces collectifs, c'est plutôt la volonté de réunir les habitants des territoires proches, avec cette conviction là qui s'est dégagée un peu au fil du cahier, que la proximité est perçue comme un levier et une échelle de l'action collective, avec l'objectif de mener des actions qui vont renforcer le lien social, avec l'objectif de vouloir transmettre des savoir-faire et des compétences et de se réapproprier une capacité à agir autant individuellement que collectivement. Et que finalement, c'est plus la quête de lien social qui va produire une forme de, enfin en tout cas être favorable à une forme de sobriété,
que la volonté d'une plus grande sobriété qui va créer du lien social. D'où cet article voilà, qu'on a trouvé intéressant à partager avec vous. Et finalement, c'est envisager le changement à partir des pratiques sociales et la création de liens sociaux et le besoin d'autonomie, on va parler d'incapacitation, comme moteur. Voilà, on est bien sur cette démocratie du faire qui va être ce besoin d'agir concrètement ici et maintenant qui va être un moteur des formes de sobriété. Donc l'autre article, parce que le cahier, c'est, je ne me souviens plus, mais c'est 70 articles, donc on vous a fait une petite sélection dans nos articles. L'autre qu'on a trouvé intéressant comme manière de poser le débat et autour de ces initiatives, de ce qu'elles peuvent permettre et des risques qu'elles contiennent, celui du jardinage urbain, dont les liens avec la sobriété sont assez évidents, avec les volontés de circuits courts, etc. Et puis qui semble être une promesse ou en tout cas une forme d'initiative qui réconcilie la question écologique et la question sociale, puisqu'elle est censée, elle est très utilisée aussi comme un vecteur d'empowerment. Donc c'est un article de Flaminia Padeu qui a regardé comment se mettaient en place les jardins partagés à Paris, qui a aussi fait un tour par Détroit et ce qu'a pu produire dans cette ville qui a connu une forte crise la question de l'agriculture urbaine comme moyen de engager une vie sociale, de remotiver, de retravailler l'image de la ville. Et donc, on voit bien tout ce que peut apporter cette végétalisation urbaine, ce jardinage collectif, à la fois qui est un levier direct d'amélioration de conditions de vie des habitants, qui est un vrai support de sociabilité et de convivialité, qui est un espace de réapproprier, enfin, qui est une manière de se réapproprier des espaces, y compris c'est de plus en plus utilisé comme une manière de lutter contre des usages inappropriés d'espace. On voit ça dans des quartiers pour lutter contre des trafics, contre des dépôts sauvages de déchets. Ce jardinage, il est vraiment support d'une amélioration et de la convivialité et des conditions de vie. Elle observe aussi une forte incapacitation des individus, puisque notamment à Détroit, on voit que ça a permis de remettre en mouvement des gens qui se sont professionnalisés, qui sont devenus experts de ce animateur de ce jardinage collectif. Donc ça, c'est tout ce que ça apporte. Mais elle pointe aussi, dans ses retours d'expérience, des résultats beaucoup plus mitigés. Alors que ce soit à Paris, sur la question de la manière dont on gère ces jardins, quels horaires on donne, quelles modalités d'accès on prévoit, et elle s'aperçoit dans son observation participante qu'il y a des logiques affinitaires qui se mettent en place, qu'il y a une forme de prise en main de ces lieux, plutôt par ceux qui se sentent légitimes et qui portent l'expérience, et que finalement, ceux qui, pour lesquels on avait envie aussi de ces jardins en pied d'immeuble, il y en a qui ne se sentent pas légitimes à passer la barrière et à venir s'associer à l'expérimentation. Donc on voit qu'il y a une forme d'entre-soi qui se crée autour de ces jardins. Certaines initiatives sont un peu hors sol, ne tiennent pas compte des capacités des habitants, sont plaquées par des appels à projets ou des choses comme ça et ne s'appuient pas sur une initiative portée au départ par les habitants. Elle pointe un risque aussi de délégation de l'entretien des espaces par la puissance publique, dans d'espaces délaissés. Finalement, c'est une forme de désinvestissement de la puissance publique qui confie les lieux et qui peut-être ne suit plus et se dessaisit de son obligation d'entretien. Elle pointe aussi d'autres évolutions qui sont des évolutions marchandes autour de l'image du jardinage urbain qui était censé être un truc associatif et qui finalement donne lieu à des créations d'entreprises sur les toits d'immeubles, des fraises dans des camions, enfin autour de ce circuit court et de cette agriculture urbaine, il y a tout un greenwashing de pratiques marchandes. Et puis elle pointe surtout un effet de revalorisation des espaces immobiliers et de revalorisation foncière et immobilière qui accélère des mouvements de gentrification. Donc on a à la fois des aspects très positifs, mais des menaces sur la capacité à rester une manière de concilier écologie et enjeux sociaux si ça se traduit par l'éviction de populations de ces secteurs. Donc il y a deux points de vigilance pour les acteurs publics qui nous ont paru à travers cet exemple du jardinage urbain, mais qu'on retrouve dans notre cahier sur d'autres types d'expériences, à toujours mettre en place et faire attention à ce que ces collectifs
ne favorise pas l'entre-soi et ne renforce pas les inégalités et qu'il a maîtrisé les effets d'éco-gentrification par des actions volontaires et anticipées de ces effets possibles. Alors, bon, on vous l'a dit, hein, on s'est beaucoup posé la question dans ce cahier du rôle de l'action publique en lien avec ces initiatives citoyennes. Et là, on voulait évoquer un article d'Anne Dorazio qui s'appelle « L'habitat participatif s'invite dans les politiques publiques ». C'est un article qui va nous rappeler que l'habitat participatif a comme point de départ la critique du produit logement et la recherche d'alternatives, avec l'idée de rompre une chaîne de production considérée comme étant opaque, avec un montage financier qui s'apparente à une boîte noire. L'idée aussi de rompre avec une tendance à la normalisation du logement, dominée par un modèle qui est celui de l'accession à la propriété. Et l'idée de revoir les modes de gouvernance, de dialogue et de décision en lien avec la production du logement. Elle nous rappelle aussi que c'est également, il y a également l'ambition de créer des lieux de vie qui favorisent la qualité des relations sociales, qui favorisent la mutualisation avec de nouvelles approches spatiales de l'immeuble entre parties privatives et parties collectives. Parties collectives au bénéfice de la communauté résidentielle, buanderie, atelier, chambre de passage, salle commune, jardin partagé, bref, de la convivialité, mais aussi une sobriété foncière de ces formes d'habitat participatif. Et puis, elle en vient à parler de la manière dont les élus locaux se sont, pour certains, engagés donc au nom de l'innovation pour soutenir l'habitat participatif qui finalement depuis les années 70 prend l'allure de petite vaguelette et que cette lame de fond tant attendue d'une troisième voie du logement n'est jamais apparue et que finalement c'est réservé à une poignée de militants sauf si les collectivités locales décide d'accompagner les groupes. Alors, ça prend quelle forme ? Ça prend la forme souvent d'appels à projets ou d'appels à manifestations d'intérêt. Et ces collectivités, donc, elles sont accompagnées de professionnels de la participation et de la programmation. Elles vont aider à la structuration des initiatives, elles vont favoriser les liens entre les collectifs d'habitants et les opérateurs conventionnels dans un contexte qui, même si la loi Allure a permis de créer l'autopromotion et la coopérative habitante, c'est un contexte qui reste fragile parce que, en fait, qui reste extrêmement complexe à appréhender pour les habitants. Donc, le rôle de la collectivité, ça va être d'accompagner ces collectifs, mais aussi et surtout de flécher du foncier pour permettre l'émergence de projets d'habitat participatif, qui va être souvent un foncier qu'on dit mal commode, mais c'est intéressant, c'est du foncier dont personne ne veut, en gros, hein. Et puis, elles vont aussi, les collectivités, servir d'intermédiaires avec des coopératives HLM, des promoteurs, des assos d'insertion, etc. Et de fait, participer à une forme de diversification des programmes avec de l'intergénérationnel, des programmes en lien avec le vieillissement, etc. etc. Et puis, on voit aussi, de fait, les promoteurs classiques qui emboîtent le pas un peu de ce mouvement et qui cherchent à se saisir de ce marché d'un habitat sur mesure en lien avec une qualité d'usage qui soit plus affirmée. Alors, les collectivités pionnières, en fait, c'est Strasbourg, Lille, Grenoble. Hein, ça a été les premières à lancer des appels à projets ou à manifestations d'intérêt. Mais on en a quand même pas mal en Ile-de-France qui ont pris cette initiative de flécher du terrain et d'accompagner des groupes comme Cachan, Ivry, Montreuil, bien sûr, hein, qui est un genre de laboratoire de l'habitat participatif, mais aussi Palaiseau, ou encore dans des secteurs plus périurbains, la Verrière, Saint-Cyr, l'école, etc.
Pardon, j'ai oublié de dire un truc, c'est que le cahier des charges, en fait, qui va être édicté par les collectivités locales dès lors qu'elles ont fléché un terrain, qu'elles vont mettre à disposition ou vendre pas très cher à des collectifs, il est évidemment très ambitieux et sur un plan environnemental et sur un plan énergétique. Donc, on va passer à des présentations plus d'initiatives détaillées. On a aussi un peu pioché dans le cahier des exemples qui nous paraissaient intéressants au regard de ce prisme de la sobriété. Donc, premier exemple, c'est une coopérative qui s'appelle Saveur du Vexin. Donc, c'est un collectif citoyen qui avait cette intention de reprendre la main sur son alimentation et d'agir aussi sur les circuits de production par son alimentation. Donc, elle, c'est une coopérative qui essaye de donner accès à des produits sélectionnés sur des critères de respect de l'environnement et d'éthique de production à des prix abordables. Donc, il y a 300 sociétaires qui contribuent à financer avec assez peu de frais de fonctionnement cette coopérative, qui soutient par exemple l'équipement de certains producteurs, qui peut contribuer au financement d'une cave à fromage ici. Donc, ils sont en réseau et voilà, il s'agit de réduire les frais d'intermédiaires et de donner accès à tous ces sociétaires à une alimentation de qualité. Et ce qu'on voit, pourquoi on a choisi cette initiative qui nous paraît intéressante, c'est qu'elle illustre assez bien ce qu'on a pu observer tout au long du cahier sur ce qui se passe avec ces initiatives qui souvent arrivent sur une idée. Donc voilà, j'en ai marre de mal manger, ça me coûte trop cher, donc je vais intervenir là-dessus. Et qui finalement élargit son propos. Donc on voit là pour le cas de Saveur du Vexin, c'est qu'en fait maintenant la coopérative soutient d'autres initiatives en faveur de la transition. Elle participe par exemple au financement de documentaires sur l'alimentation et les conditions de production de l'alimentation. Elle est intervenue en aide à la création d'une librairie coopérative un peu spécialisée sur ces sujets de l'agriculture et de l'alimentation. Elle contribue, anime et organise des cycles de repas ciné sur la transition. Donc on voit qu'en partant d'une des questions, très vite, ça amène les collectifs à se poser la question de manière systémique et élargir leur pensée et leurs propos. Et ensuite, on voit un autre sujet qui est qu'elles renforcent souvent leur ancrage territorial, c'est-à-dire qu'elles commencent ensemble et puis ensuite elles se rendent compte qu'il y a d'autres associations dans leur territoire qui sont sur des objets voisins. Et donc finalement, on la voit s'inscrire dans un réseau local d'initiatives. Elle a d'ailleurs signé une charte de valeurs partagées avec d'autres structures voisines, d'autres associations, et elle diffuse son savoir, son modèle à des structures de territoires voisins. Elle est en train d'aider une coopérative de Nanteuil, mais en fait, elle accompagne d'autres territoires à se doter d'une coopérative équivalente. Et c'est pour ça qu'on a, on l'a trouvée assez illustrative de pas mal de ce qui fait la force de ces initiatives, c'est qu'en général, elles sont très partageuses de leur manière de se monter, de leur savoir-faire, et qu'elles vont vite nourrir une pensée systémique. À toi, Lucille. Alors là, on va vous parler d'un dispositif qui s'appelle Enerter, qui en fait n'a pas été évoqué dans le cahier aux actes citoyens, mais précédemment dans le cadre d'une étude sur l'autoréhabilitation accompagnée. On n'est pas en Île-de-France, on est dans le Marais du Cotentin. Et je crois qu'on a une petite vidéo pour démarrer. Une vidéo aussi pour ça. Ça se lance pas. Vous avez une vidéo pour Enerter? Ah, vous l'avez pas là? Non? Ah oui, je suis en train de la passer. Et on la voit pas. Mince, ça marche pas. Peut-être tu... Au pire, on pourra peut-être la mettre en lien pour les participants pour qu'ils aillent la revoir. Oui, d'accord. Je les mettrai en lien. Ah oui, c'est trop bizarre parce que ça marche chez moi. Pourquoi vous ne la voyez pas, vous? Lucille, c'est peut-être parce qu'il faut que tu partages ton écran et pas ton appli, non? Je ne sais pas. Ah. Si tu arrêtes le partage de l'écran, si tu arrêtes le partage de l'appli, de la fenêtre. Peut-être partager une fenêtre plutôt que tout ton écran. Ah, d'accord.
peut-être. Oh là. D'accord. J'ai compris, moi. Donc, si j'essaye. Tu arrêtes le partage et tu redemandes le partage, et là, tu fais bien gaffe de cocher. Et là, vous voyez la vidéo ? Ouais, ouais. Là, on la voit. Ok. Bon, ben, on va essayer comme ça. Tac. Par contre, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Bon. Bon, bah écoute, c'est pénible, c'est pas grave, c'est pénible. Ouais. On réessayera sur l'autre pour voir si ça fait différemment, parce que c'est pas un lien. Oui, t'as raison. Bon, c'est pénible. Allez. Hop, c'est parti. Est-ce que là vous voyez Anne-Claire, c'est bon, on voit là? Non, on voit toujours ta page Google. On voit pas ton. Ok, alors, toc, j'y retourne. Toc, partager. Voilà, là, c'est bon. T'en es ok, désolé. Donc, le dispositif Enerter, en quoi il est intéressant? Donc, il a permis, dans le Marais du Cotentin, de réhabiliter des maisons qui étaient occupées par des ménages modestes, plus ou moins en situation de précarité énergétique, qui habitaient dans un assez joli patrimoine, qui sont des maisons historiquement en terre, et qui avaient été un peu malencontreusement recouvertes d'un enduit ciment, pour la plupart, ce qui fait que bah, finalement, il y avait des dégâts à l'intérieur, d'humidité et un inconfort thermique. Le dispositif NRTER, qui a été créé par le Parc Naturel Régional, il est soutenu par la Fondation de France. Il s'articule autour de chantiers participatifs, avec comme objectif de rénover donc, ces maisons en terre, en impliquant dans les travaux les occupants de ces maisons. C'est des familles à revenus modestes qui n'ont pas les ressources nécessaires pour financer des travaux d'amélioration thermique, donc c'est elles qui vont être ciblées en priorité. Le chantier, il est encadré par un artisan local. Le propriétaire de la maison, il va participer aux travaux, mais aussi des bénévoles, des bénéficiaires de l'expérimentation via la mise en œuvre d'un SEL, un système d'échange local, pour équilibrer le temps qu'ils vont consacrer au chantier et le temps dont ils vont eux-mêmes bénéficier en échange pour la réhabilitation de leur propre maison. Donc on a là en fait la mise en place d'une forme de crédit temps qui valorise les compétences et les capacités de chacun, avec aussi de l'apprentissage et de la transmission. Et voilà, donc on est sur de l'auto-réhabilitation très accompagné avec des chantiers hybrides, puisque l'artisan lui-même est en quelque sorte chef de chantier. Biocycle. Alors ensuite, on a choisi l'association Biocycle, pareil, parce qu'elle était assez représentative. Alors elle est encore un peu sur le thème de l'alimentation, plutôt orienté sur la question du zéro gaspillage, du nom de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et là encore, elle nous intéressait parce qu'elle permet de concilier ces enjeux avec la question sociale. On essaye de voir si la vidéo marche ou... On essaye. Ça se lance chez toi ou pas? Ouais, c'est lancé, là, bon, ça marche. Bon, là, ça marche pas, donc ça marche pas, on laisse tomber. Ça marche pas. Ok. Donc, cette association, c'est partie d'un collectif citoyen qui constatait la présence de personnes sans domicile, de gens en difficulté dans Paris, et en même temps, le fait qu'on jetait beaucoup d'invendus et que les commerces de proximité, et notamment sur les marchés, qu'il y avait beaucoup d'invendus qui étaient perdus. Et donc, il y a eu cette idée d'aller collecter des invendus alimentaires et d'essayer de voir comment faire en sorte que ces invendus alimentaires soient proposés au plus près à des associations locales qui distribuent de l'aide alimentaire.
Et donc, ils ont commencé comme ça, ils se sont organisés. Puis du coup, ils ont réfléchi à la manière de faire la logistique du dernier kilomètre, en gros, entre les invendus et les associations locales. Ils ont eu l'idée de faire ces livraisons en transporteur vélo. Ensuite, ils ont réfléchi à partir de là à comment faire. Comme l'association a grossi, ils ont aussi créé des emplois d'insertion pour des cyclo-livreurs qui sont donc en emploi d'insertion. Ils ont ensuite mis en place des ateliers de pédagogie auprès des écoles et du grand public avec ce qu'ils ont appelé le vélo mixeur, où ils font des smoothies, ils font pédaler les gens, les enfants, et on fait des soupes, des smoothies, et on discute sur le fait qu'un légume qui est moche est encore comestible. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur, tout ce qui peut être mis en place pour essayer de pratiquer le zéro déchet en matière alimentaire. Et ce qui nous a intéressé, donc, c'est qu'on est parti d'un collectif citoyen et aujourd'hui, on est sur une association qui s'approche de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, avec une multiplication de ses actions. Elle a toujours sa collecte et ce lien avec les associations pour la distribution. Elle a ses ateliers de sensibilisation et elle est en train de se développer aussi avec un accompagnement des professionnels, des commerçants, pour essayer d'aller sur des pratiques plus zéro déchet. Elle a créé une micro-franchise pour encourager la création d'antennes dans d'autres territoires et elle fait maintenant une petite activité de conseil aux collectivités pour les aider à identifier les gisements d'invendus et les besoins de populations précaires à l'échelle de leur territoire. Donc voilà, c'est encore une fois une ce qui nous a intéressé dans cet exemple, c'est ce côté un peu partant d'un sujet, j'élargis, je monte en généralité, je trouve les partenaires, donc je m'inscris dans un réseau local d'action. Et qui nous semble vraiment une des richesses de ces initiatives qu'on a pu vraiment regarder de près dans toutes les initiatives qu'on a recensées dans le cahier. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler. Et puis, elle était aussi une manière d'illustrer le fait que dans ces initiatives, il y en a un certain nombre qui finissent par se professionnaliser et s'orienter vers des structures de type ESS avec les nouveaux statuts du COP, de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui sont des nouveaux statuts et qui sont une des manières pour ces initiatives collectives de se pérenniser, de s'ancrer territorialement et de trouver un modèle plus pérenne. Et puis, dernier exemple dont on voulait vous parler, c'est le Petit Cerny. Donc là, ça se passe dans l'Essonne, et c'est le dernier bar de la commune qui devait être vendu à une agence immobilière qui, en fait, a suscité une mobilisation des habitants. Et ils ont décidé de sauver le bar de la commune avec l'aide de Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est devenu un bar, en fait, dans lequel s'organisent des cours de langue, des ateliers couture, des cercles de lecture, des repères cafés, des lectures de contes, etc., etc. C'est aussi tout simplement un lieu de convivialité qui va réunir en fait les habitants, évidemment, hein, donc dans une logique de proximité qui va favoriser des formes d'interconnaissance et des transmissions aussi de compétences et de savoir-faire. Et quand on est allé les voir, enfin, c'est l'objet du coup aussi de la petite vidéo que je voulais vous montrer, mais on va laisser tomber cette fois-ci. Ça montre en fait que c'est des gens qui ne vont pas forcément spontanément s'impliquer dans la vie publique, participer à des réunions du conseil municipal ou même à des réunions d'associations, mais qui vont être là. En étant là, qui vont du coup finir par révéler un peu leur capacité à agir. Et c'est un peu la première étape pour remettre des gens en mouvement, des gens qui, par exemple, vivent seuls, des gens qui sont un peu désociabilisés et qui vont peut-être ont perdu le rapport un peu à l'action collective, voire à la lutte collective. Et voilà, et c'est des lieux dont on sent que de manière assez simple, finalement, en lien avec des formes de convivialité, de transmission, où on laisse chacun en fait proposer telle ou telle initiative, parce que il s'est bricolé, parce qu'il s'est cuisiné, parce que voilà. Et du coup, on remet les gens en mouvement et on leur redonne quelque part
un sentiment de puissance et de capacité à agir collectivement, et donc leur faire prendre conscience qu'ils sont en capacité d'impulser le changement. Tout ça partant d'un bar. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Ouais, une petite conclusion, en fait, une petite conclusion pour vous dire de quoi finalement a parlé ce cahier. Qu'est-ce que l'analyse de ces collectifs de citoyens, de ces initiatives révèle? Dans un premier lieu, un besoin d'autonomie et de sens, le fait de pouvoir traduire ces valeurs en actes. Je ne sais plus quel auteur disait, on avait trouvé ça assez intéressant, que finalement on avait glissé un peu de l'engagement militant à une logique d'épanouissement personnel et d'une forme de relation transactionnelle entre l'individu et le collectif, qui porte donc essentiellement sur l'acquisition, l'expression et la reconnaissance des compétences. La mise en doute, on en a parlé aussi dans l'intro, de l'autorité et de l'expertise publique, qui va en fait en lien avec cette capacité à agir. On observe la volonté de trouver et de fabriquer soi-même ces solutions, d'agir directement. Ça procède en partie à une forme de démonétisation du discours public, d'une mise en doute quand même de la fiabilité de cette parole publique, de l'efficacité du système politique qui est organisé autour de l'argumentation et qui exclut une partie de la population qui va être plus à l'aise avec l'action concrète qu'avec le discours. Et ça comporte des risques. Oui, donc ce qu'on a vu, c'est, on l'a déjà un peu dit pendant notre présentation, mais on a identifié un risque de désaffection parce qu'on a aussi dans le cahier, on avait des articles sur les ZAD, sur le refus de grands projets, la question de l'intérêt collectif, d'être capable encore de mener des projets. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme de risque de désaffection entre un lien rompu entre des citoyens émancipés qui ont leur propre grille de légitimité et qui contestent des institutions jugées trop lointaines ou qui ne vont pas assez vite dans la transition écologique et qui sont censées, bon, l'actualité résonne étrangement sur la question de comment continuer à nourrir un débat. Il y avait aussi un risque qui est du transfert de charges vers les individus, d'une responsabilisation de ces collectifs. On voit qu'il y a un certain nombre de fonctions qui finalement peuvent être délaissées ou déléguées sans cadre de transfert de moyens très clair sur ces collectifs. Donc ça, c'est un deuxième risque qu'on avait repéré. Mais quand même, dans notre cahier, on avait une conclusion quand même plus optimiste qui était, ou alors une opportunité pour l'action publique d'accepter d'être renouvelée par ces interpellations de collectifs citoyens, ce qui suppose de la part de l'action publique une forme d'acceptation de cette intelligence collective, qu'elle réussisse à les englober, à les encadrer au service d'un projet commun sans les étouffer, qu'elle accompagne des formes de pérennisation, peut-être d'institutionnalisation, mais avec une gouvernance qui laisse la place à la souplesse et à ces formes d'innovation sociale. Et donc, ça pose des questions sur les cadres publics capables de faire profiter, fructifier cette envie d'action, cette innovation sociale qui se fait, donc, comme on l'a vu, parfois contre. Et donc, on voulait terminer sur une phrase de Bruno Latour, mais de dire que tout ça est un germe de beaucoup de promesses. Si l'action publique parvient à se saisir de ces initiatives dans un dialogue productif entre des institutions fortes, garantes de l'intérêt collectif, et une société civile active. Voilà. Ben magnifique, merci beaucoup. Déjà, merci pour ces présentations, pour les retours d'expérience là, que vous avez choisis, et puis pour l'ouverture extrêmement philosophique sur la fin qui peut donner lieu en fait à réfléchir, à organiser autre chose pour continuer là-dessus. C'est très inspirant, merci bien. Alors, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde pour le dépassement du temps, mais en tout cas, ça a permis de laisser aux intervenants la parole suffisamment longtemps hein, pour que vous puissiez développer en fait vos interventions. Logiquement, toutes les réponses ont été apportées dans la conversation, et si ça manque, de toute façon, vous aurez à disposition les PowerPoint de tout le monde et avec les adresses mail des intervenants.
Donc, merci à tous nos intervenants et à mes collègues aussi. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end. Voilà. Merci. Et puis, bonne journée à tous. Merci. À très bientôt. Le prochain atelier, ce sera le vendredi 16 novembre. Voilà. Et vous aurez plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup. Hein. Au revoir.